Cet homme de Jésus.
Jésus, alléluia. Oui, l'homme qui marcha sur les eaux. Amen, quel est cet homme de Jésus, alléluia. Cet homme est ici présent. Quel est cet homme de Jésus, alléluia. Oui, l'homme qui ressuscite les morts. À présent le diacre de pouvoir faire passer le panier pour les offrandes d'entretien du temple. Pendant ce temps, nous chantons le numéro 85 dans Hosanna, reste avec nous Seigneur. 84-85 Hosanna. Son époux à ta lumière.
ces sans renaître. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous dans nos combats. Si ta main nous délaisse, Satan vainqueur nous tiendra sous ses coups. Et ta puissance amène notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Beaucoup. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. La musique, vous pouvez nous jouer croix seulement pendant que les pasteurs montent en chair. Merci.
Seigneur vous bénisse. Nous avons des consécrations. Tunawakutolea. Thank you.
chapitre 12. Waroma kuminambili. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Basi wanduku nami onya kupitia huruma za Mungu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Mutoleye milienu kama zabihu nzima. Saint, agréable à Dieu. Takatifu na ya kupendeza Mungu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ile kwa upande wenu itakuwa ibada nzuri. Ne vous conformez pas au siècle présent. Musijilinganishe ku karne ya leo. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'entendement. Kwa lakini kuweni wenye kubadilika kupitia usikilizo mupya. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ili mupate kufafanua mapenzi ya Mungu ni nini. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ile iko mwema ya kupendeza na kamilifu. Hébreux 7. Wa Ebrania sura yake ya 7. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, ni kusema huyu Melchisedeki mfalme wa Salema, sacrificateur de Dieu très haut, mukoani wa Mungu wa yulu zaidi, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, ula lenda kambela Ibrahimu wakati alikuwa kiruria kisha kuwina wafalme, qui le bénit, ule alimbariki. Le verset 2. Sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Ceux des fils de Lévi qui exercent les sacerdoces ont d'après la loi l'ordre d'élever la dîme sur les peuples, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont ici des reins d'Abraham. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qui parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Ainsi, abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance
et de son inutilité. Amen. Hébreux 6. Hébraïa 6. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection du mort et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. On va prier. Taomba. Oh, prends mon âme, prends la scène. Toi, les grands Melchisédek, nous te rendons grâce, honneur, louange, adoration. Toi qui vis au siècle des siècles, roi de paix, en toi, Seigneur, nous bannissons la crainte. En toi, Seigneur, nous renouvelons l'entendement. En toi, Seigneur, nous recevons la vie. Nous t'adorons ce matin. En t'élevant, en te magnifiant, en te disant merci, Seigneur, reçois les honneurs, reçois la louange, reçois la gloire. Toi qui vis au siècle des siècles. Merci Jésus. Parle-nous maintenant, Seigneur, de cœur à cœur. Amène-nous derrière le voile, dans le Saint des Saints. Que nous contemplions la Shekinah,
et que nous l'intervenions. Oh Seigneur, bourgeonne la vie de quelqu'un, bourgeonne les affaires de quelqu'un, bourgeonne le travail de quelqu'un, bourgeonne chaque chose. Oh Seigneur, que l'impact du Saint des Saints puisse devenir une réalité pour chacun ce matin. Nous te disons merci Seigneur, merci Jésus, merci notre Dieu, merci notre roi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Après toi, il n'y aura pas de Dieu. Près de toi, pas de Dieu. Hors de toi, pas de Dieu. Tu es l'Éternel qui anéantit le projet des hommes afin que tes desseins subsistent à jamais. Sois adoré, sois élevé, sois magnifié, sois incondisé. Oh Seigneur, par le contrôle de cette réunion, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Les Akéti. Oui, nous continuons avec le renouvellement de l'entendement. Ndio tunaendelea na kukuisha mupya usikilizo. J'aime toujours napendaka kila mara commenter d'abord Romains 12 ici. Kufasilia kwanza hapa kukifungu ya 12 parce que nous devons saisir wani tunapasha kuelewa que la dimension là où Dieu nous amène ya kwamba mcheo mule Mungu yuko natupeleka, ça nous oblige de ne pas nous conformer au monde. Inatulazimisha tusifanane na dunia. C'est très important. Ni ya lazima kabisa. Frère Branham dans l'influence il dit, ndugu Branham mvuto anasema, il dit aujourd'hui le christianisme devient un peu comme les enfants à l'école, ils aiment imiter les uns les autres. Anasema leo ukristiani inakuwa sa batoto kushule banapenda kufuatirishana bamoya na bengine. Avec cette dimension de la révélation, na hii cheo ya ufunuo, vous devez retenir que vous ne pouvez pas vous conformer au monde. Munapasha kushika ya kwamba amupashwe kufanana na dunia. Pourtant, il est wakati dans la puissance de transformation paragraphe 39 Branham, uwezo ya kubadilisha kifungu cha 39 ndugu Branham, quand il explique ce verset, wakati anafasilia mustari hii, il dit maintenant que nous sommes déjà sauvés, sasa hapa she turisha okoka, comme nous le sommes vile tuko benye kuokolewa, nous ne pouvons pas nous conformer au monde, atupashwe kufanana na dunia. Mais comment quelqu'un qui est déjà sauvé, on va lui dire de ne pas se conformer au monde? Pourtant, il est déjà sauvé. Donc, le monde là, c'est autre chose. Qui peut dire amen? Parce que c'est quelqu'un déjà sauvé. Il doit maintenant avancer pour quitter un sacerdoce et entrer dans l'autre. Alors on lui dit, dans ce parcours-là, ne vous conformez pas au monde. C'est quoi le monde? Dunia ni nini? Nous avions lu, tulisomaka, il dit c'est le cosmos. Anasema ni kosmosi, c'est les églises, ni makanisa.
Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Prenons encore une autre chose dans les images de Christ. Tuchukue tena kitu kingine mu mahubiri ile mapicha ya Kristo. Paragraphe 136. Kifungu yake ya 136. Paul dit qui es-tu Seigneur? Paulo anasema Bwana wewe ni nani? Il répondit je suis Jésus. Akamjibu mimi ni Yesu. Il te serait dur de rejamber contre les écuyons. Itakuwa nguvu kutambuka au mashindano. Jésus dit. Yesu akamwelezea. Encore un peu de temps. Subiri wakati kidogo. Le monde. Dunia. Cosmos. Ulimwengu. L'ordre du monde. Pango ya kidunia. Les membres d'église. Wanamemba wa kanisa. Ne me feront plus. Awata niona tena. Mais vous, walakini mweye, vous me verrez. Mutaniona. Car je, wani mie, pronom personnel, semu ya kujitaya nayo, le même Jésus, ule Yesu moja moja, serai avec vous, atakuwa pamoja na mweye, et même en vous, atanda nienu, jusqu'à la fin du monde, baka na kumwisho ya dunia. Mais les membres de l'église ne le verront pas. Wanamemba wa kanisa awata muona. Qui peut dire amen? C'est ma mina. Si tu es membre d'église, kama uko mwana memba wa kanisa, tu ne verras pas Jésus. Auta muona Yesu. Pourtant c'est le même Jésus. Ile wakati ni paka ule Yesu moya moya. Mais les membres d'église, walakini wana memba wa kanisa, ne le verront pas. Alors toi, sasa wewe, ne te conforme pas aux membres d'église. Usijilinganishe na wanamemba wa kanisa. Nous sommes différents. Tulishachana nabo. Même si on a la même Bible, ata vile shebote tuna Biblia moya, les mêmes brochures, tuko na vitabu vya Branham bimoya. Nous sommes déjà différents. Tulisha wachana. Nous adorons Dieu dans les sacerdoces différents. Tuko na budu Mungu mwabikoani ya kuachana. Qui peut dire amen? Sema amina. Ne cherchez pas à vous conformer aux églises, aux membres des églises. Kufanana na makanisa, na wana memba wa makanisa. Qui peut dire amen? Sema amina. Vous écoutez la parole. Unasikia neno. Dans le troisième sacerdoce. Mkikoani kia tatu. Ou. Mule. La même chose. Il est kitu moya moya. Et écouter dans un octave supérieur. Bana kisikia mucheo ya yulu zaidi. C'est le do majeur. Ni il est do ya ju kabisa. C'est la huitième note. Ni noti ya nane. David jouait une guitare qui avait huit cordes. Daudi alikuwa na imba kinubi yenye alikuwa na mashinga nane. Nous sommes à la huitième corde. Na shetu kule shinga ya nane. Les choses beaucoup plus amplifiées. Bintu bile bilisha kwa binene sana zaidi. Et ça chatoue les oreilles des membres d'église. Na biko na tenkunya mashikio ya wanamemba wa kanisa. Il n'y a que l'épouse qui va saisir. Mpaka bibi harusi njoo ataelewa. Amen. Amina. C'est pourquoi? Ni kwa maana? Nous quittons l'église. Tunatoka mkanisa. Pour entrer dans l'épouse. Kwa ajili ya kuingia ndani ya bibi harusi. Amen. Amina. Je vais résumer un peu pour amener un rapprochement. Minta fupisha kwa ajili ya kukaribisha. Vous voyez que munaona ya kwamba l'apôtre Paul, mutume Paulo, son langage a totalement changé. Musemo yake ilibadilika yote kabisa. Il a compris. Arielewa. Que même les sacerdoces dans lesquels lui il travaillait, il n'y avait pas la vie, il n'y avait pas la perfection. Et il fait des déclarations tendant à ce qui est parfait. Laissons de passer le temps tuache mabitu ya chini chini avec les éléments de la parole de Christ. Ya neno ya Kristo. Et ça serait comme un blasphème. Na ile, yuna shikirika saa kukufuru.
Mais c'est Paul qui le dit. Il dit, je comprends qu'il y a la perfection. Alors laissons les éléments de la parole. Il ne parle pas de la parole de Moïse. Mais la parole de Christ. Des discussions sur le baptême au nom de Jésus. La divinité de Jésus. Il dit ces choses-là, nous les ferons si Dieu le permet. Mais attendons à ce qui est parfait. Qui peut dire amen? C'est ma mina. Oh my. Hey my. Alors, ça. Au chapitre 8. Verset 7. Il dit en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Vous êtes là? Si on a remplacé la première par la seconde, parce qu'il y avait des défauts dans les sacerdoces de Moïse. Voilà là où Paul nous amène. Voilà là où Paul nous amène. Donc comme pour dire, il n'y aurait pas aussi une troisième si la seconde aussi n'avait pas de défaut. Est-ce que vous me suivez très bien? Pourtant, il est wakati. Paul condamne Moïse. Paulo anahukumu Musa. Malgré tous les grands miracles. Yote le Musa. Dans les jours où nous vivons, un croyant qui s'accroche à des miracles, c'est un bébé. Ni mwana mchanga ule. Parce que des miracles, Dieu miujiza, n'est pas la preuve aiko akikisho d'être avec Dieu. Ya kuwa pamoja na Mungu. Il y en a partout. Miujiza aiko fwashi yote. Qui peut dire amen? C'est mamina. Dans des églises, parce que c'est le réveil de la pluie. Mumakanisa kwani ni amko ya mvula. Et la pluie na mvula tombe sur tous les deux semences. Iko na nyesha pa ile mambeko yote mbili. Les jumeaux. Bampundu. Tous reçoivent cette pluie. Bote banapokea ile mvula. Est-ce que vous me suivez? Yeye tunanielewa. Mais nous dans le troisième sacerdoce. Lakini shemu hiki kwani cha tatu. Le sacerdoce du retour au commencement. Kwani cha kururia kule mwanjo. Nous ne vivons pas dans le réveil de la pluie. Atuishi mu amko ya mvula. Mais nous vivons. Lakini tuko naishi dans le réveil. Mwile amko. Gloire au Seigneur. Utokofu kwa Bwana. Amen. Amina. Vous savez c'est quoi ce réveil? La Bible dit, Biblia nasema, en ce temps-là, il n'y avait pas de pluie. Aucune goutte de pluie hata toni moja mvula n'était encore tombée sur la terre. Et une vapeur na moshi est montée de la terre. Et ça a commencé à arroser. Et ce réveil-là n'a pas d'imitation. Aina na kuifatirisha. Qui peut dire amen? Sema amina. Le réveil de la pluie, c'est trop d'imitation. Amko ya mvula beko na ifatirisha kwa ba mingi. Mais la vapeur. Lakini ile moshi ya kupanda. Et cette vapeur. Na ile moshi ile. N'est pas descendu. Haikuchuka pana. Mais elle est lakini montée. Ilipanda de la terre. Kutoka pa budongo. Qui peut dire amen? Sema amina. Et frère Branham dit. Na ndugu Branham anasema. C'était le septième saut. Ilikuwaka ni muhuri. Parce que le septième saut, oh, qui peut dire amen? Il en est question ni mambo ya depuis la Genèse. Est-ce que vous suivez? Et ça, c'était dans les ombres. Et dans la réalité, Abraham dit, cette nuée ile wingo est venue
nilikuya, de là où j'étais, kutokea lwafua shile nilikuwaka, qui peut dire amen, sema amina, et tenez que, la shikeni ya kwamba, frère Branham, ntuku Branham, a voilé la niwe, alifunika wingo, pendant plusieurs années, mumiaka ya mingi, qui peut dire amen, sema amina, le 28 février, dans le 28 février, la niwe n'est pas descendue, ile wingo haikuchukaka pala, la niwe est venue de wingo, ilitoka ni pabudongo, qui peut dire amen, sema amina, pourquoi la niwe est montée? Tu vois, il est wingo et il panda. Pour nous arroser. Wajira kutumimia. Amen. Amen. C'est la montée. Il est quoi qu'on a onesha? Que cette divinité. Asema bule bumungu. Ne va pas demeurer pour faire Branham seul. Abuta bakia wandugu Branham yepeke. Mais ça va arroser. Buta mimia. Les autres. Pengine. Qui peut dire amen? Sema amina. Afin que. Il y. La pensée. Il est ma fikiri. Elohim. Ya Elohim. Qui l'a fait? Yenyal kuwa kanayo. Dans la Genèse. Mumwanjo. Puisse devenir. Pète kuwa. Une réalité. Ukweli. Là où tu es. Fashile wiko. À l'université. Au university. Au travail. Ukazi. Dans les quartiers. Ukomponi. On doit savoir. Anapasha kujua. Que toi. Sema waye. Tu es Dieu. Uko Mungu. Qui peut dire alléluia. Sema alléluia. Tu es Dieu. Uko Mungu. Si tu parles, kama wewe unasema, la chose, ile kintu, va s'accomplir. Kitatimizika. Voilà le but de ce sacerdoce. Iye njo kifukuzio ya hiki kohani. Ce sacerdoce, hiki kohani, vous retire, inakutosha, du charnel, mukimwili, vous introduit, inakuingiza, dans la divinité, mukimungu. Vous quittez. Unatoka. Les choses charnelles. Bintu bya kimwili. Vous pénétrez. Unaingia. La shekina. Mushekina. Amen. Amen. Alors, nous ne serons plus les mêmes. Sasa, atuta kwa tena sawa sawa. Nous ne serons plus semblables aux membres de l'église. Atuta fanana tena na wana memba wa kanisa. Nous garderons la fraternité. Utachunga kinduku. Mais nous ne serons pas conformes. Walakini atuta kwa bapa moya. Alléluia. Alléluia. Commence à expliquer un peu les choses qu'on a étudiées. Ananza kufasiri ya kwanza bintu bile turifunda. Je suis maintenant dans Hébreux 9. Apa sasa niku mwa Hebrani ya 9. La première alliance. Ile agano ya kwanja. Avait aussi des ordonnances. Ilikuwaka pia na maagizo. Relative au culte. Yenye kuambatana na ibada. Et le sanctuaire terrestre. Na ekalu ya pabudongo. Un tabernacle fut en effet construit. Maskani kusema ilijengewa. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Mwile kiwanza inje banaita fasi takatifu. Était le chandelier. Kuwaka kinara, la table, kuwaka meza, et les pains de proposition. Na mikate, derrière le second voile, na nyuma ya pazia ya piri, se trouvait la partie du tabernacle, kuwaka ile sehemu ya ikalu, appelé le saint des saints, ilio itwa fasi takatifu zaidi, renfermant l'autel d'or pour les parfums, mule muliku ya mazabau ya zabu, et l'arche de l'alliance, na sanduku ya agano, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient des chérubins de la gloire couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font les services entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, les souverains sacrificateurs seuls
entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous les rapports de la conscience celui qui rend ses cultes et qui avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez les dieux vivants? Et c'est pour cela il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament agano, en effet, n'est valable qu'en cas de mort puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Qui peut dire amen? Que l'âme de Paul soit bénie. Le grand Paul. Il prend les choses anachukua bintu dans la première alliance wagano ya kwanza, il montre anaonesha des défauts mankosa par rapport kulingana à la deuxième alliance na agano ya piri. Parce que kwani, nous avons étudié turifunda que le sang des animaux asema damu ya manyama n'a pas reçu
haikupokeaka a ôter les péchés, haikuwezaka kuondoa dhambi. Et par conséquent, kulingana na ile, tout celui qui mourait, wote wale kwanga na kufa, que tu sois prophète, upate kuwa nabii, que tu sois juste, upate kuwa muaki, que tu sois pécheur, upate kuwa muovu, tous Satan leur fermait la bouche, Shetani alikuwa anabafunga kinywa, ils descendaient en enfer, walikuwa naendaga mugena bote, tous allaient là-bas. Tous, qui que tu sois, ils descendaient là-bas. Mais, avec la deuxième alliance, les sacerdotes de Jésus, là-bas la loi a changé. Ce n'est plus le sang des animaux, mais c'est le sang de son propre corps. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en enfer parce qu'il a porté le péché. Et la loi était, un pécheur va aller en enfer. Atenda paka mugena. Et Jésus, na Yesu, est mort pécheur. Ari kufuaka mutenda zambi. Sans commettre les péchés. Bila ye kufuanya zambi maisha yake. Mais en portant nos péchés, mukuritwika manzambi yetu. Il est mort pécheur. Akakufua muovu. Et la loi était sur lui. Na sheria ilikuwa juu yake. Il fallait qu'il aille en enfer. Itakiwa ende mugena. Or, quand il est allé en enfer, bala rienda mugena. Il était le leader du deuxième sacerdoce, alikuwaka kiongozi wa ile kikoani ya pili, avec le secret na siri de supprimer le paradis, ya kuvunja paradiso. Et Satan ne savait pas, na shetani alikuwa anajua. Il a reçu Jésus, alimpokea Yesu, juste comme il a reçu les autres, paka vile alikuwa anapokea ba bengine. Est-ce que vous suivez? Yetu unafuata. Quand il entre dans le bureau de Satan, wakati anaingia mu office ya shetani, Satan dit: oh, j'étais, anasema oh, mimi na kulumba. Ah, j'étais. Ah, comme j'ai tué les autres, lumbata, je les ai gardés ici. Bachunga, te voilà toi. We, uyu, sasa, we, tu descends ici. Unachuka, c'est uku. Terminé pour toi. Kwako, et hapa. Nasema, pendant que Satan parlait, le shetani alikuwa chingariki nasema, Jésus lui a doublé. Yesu akamupika kiambo. Amen. Amina. Il lui a donné une double pique. Et Satan est tombé. Et les clés na mafungulo sont tombés de l'autre côté. Ikanguka ile ngambo ingine. Qui peut dire amen? C'est amina. Et Jésus na Yesu a ramassé les clés. Akanyanganya le mafungulo. Jésus connaît le karaté. Yesu anajua karaté. Il connaît aussi la boxe. Anajua pia mchezo ya ndondi. Dans la première venue, il a utilisé le karaté. Alipika karaté. Et dans la seconde venue, la piri, la boxe. Ni ndondi. Amen. Amen. Et quand il prend la clé, wakati anachukua mafungulo, c'était fini. Kurishia pale. Il part maintenant libéré. Anenda sasa kukombola. Ceux qui étaient en prison. Bale balikuwa mubuloko. Il sort avec eux. Anatoka nabo. Et il les dépose. Na anabatia. Dans la sixième dimension. Mucheo ya sita. Il dit: attendez ici. Musubiri hapa. Lorsque le temps sera là. Bale saita je vais vous prendre. Tamichukua hapa. Pour vous amener. Watina kumipeleka. À l'homme. Kwa ule mungu. Qui va donner la vie. Ula taleta uzima. Qui peut dire amen? Sema amina. C'est ça que Paul explique. Nanjo ile Paulo bona fasilia. Que le sang de Jésus était supérieur. Il y quoi ya yulu sana zaidi. Jésus, Yesu, a déchiré le voile. Ari pasula pazia avec les lames de sa chair. Na ile mbwembe ya mwili yake. Sa chair c'était les gilets. Mwili yake alikuwa ni bwembe. Qui a déchiré le voile? Yeye pasula pazia. Pourquoi le voile est déchiré? Kwa nini pazia inapasuka? Pour que la pensée de Elohim, juu ile mafikiri ya Elohim, l'homme, muntu, puisse atteindre la divinité. Afikie kubu Mungu. Alléluia! Alléluia! Hey! Maintenant, sasa Paul finit par dire,
Paulo anafikia mkusema là où il y a un testament fashile peko agano il faut la mort inatakiwa pakue lufu ya ule alifanya ile agano. Tant que le testataire est vivant, ile wakati yote mufanya agano achingaliki muzima, le testament agano n'a aucune valeur. Aina na mana ta moya. Nous avons combien de testaments? Tuko na maagano ngapi? Tatu. Ah, vous êtes des bons étudiants. Aha, muko wanafunzi nzuri kabisa. Nous avons trois testaments. Tuko na maagano tatu. Amen. Amen. Trois testaments. Magano tatu. Ne l'oubliez pas. Mushi sabwa ki attache. C'est la mort du testateur qui donne la valeur au testament. Ni lufu ya ula nafanya agano, njo naleta mana ku agano. Amen. Amina, amina, amina. Alors dans Hébreux 10, il dit. Sasa mwa Ebrania 10 anasema. En effet, ni kusema, la loi, sheria, qui possède une ombre de biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Il est ma tole bana tolea ka kila mara kila mwaka haiwezi kupeleka bantu ku ukamilifu. La loi c'est l'ombre. Sheria ni kimvuri. Des choses à venir. Ya bintu bile bitakuyaka. Elle ne peut pas amener les assistants à la haiwezi kupeleka ba mini ku ukamilifu. Moïse c'était la loi. Musa ilikuwaka ni torati. Jésus c'était la loi amplifiée. Yesu ilikuwaka ni torati ile barisha nenepisha. Il est venu apporter la grâce par le sang qu'il a versé. Alikuwa kuleta nema kupitia damu ile alimwangaka. Mais son ministère, lakini huduma yake, c'était la loi amplifiée. Ilikuwaka ni torati ile bana nenepesha. Moïse vous a dit, Musa arimielezeaka, quiconque commet adultère, asema wote ula na sharatika, sera lapidé. Batamua mpika maiwe. Mais moi je vous dis, walakini mie na mielezea, quiconque regarde, wote ule anangaria tu, une femme, mwanamke, ou la convoite, kwa ajili ya kumutamania, a déjà commis arisha adultère. Tenda busharati. Il a été dit, barisemaka, tu ne tueras pas, autaua. Moi je walakini mie na mielezea, quiconque garde colère anachunga kishilani son frère, mbele ya nduku yake arisha mua. Entre Moïse et Jésus, kati ya Musa na Yesu, qu'est-ce qui est plus grave? Nini ko ya matata kabisa? C'est Jésus, ni Yesu. Alors par conséquent, sasa kulingana na ile, Jésus était la loi. Yesu alikuwaka torati, étant la loi, na vile yeko torati, et Jésus na Yesu et Moïse na Musa, ils étaient les hommes. Barikuaka bimvuri. Et les hommes na bimvuri ne peuvent pas amener à la kupeleka ku ukamilifu. Je crois que je vous ai lu dimanche passé. Nafikiri nimisomea Jumapili iliyopita. Que l'Ancien Testament, asema agano la kale, et le Nouveau Testament, na agano mupya, tous les deux, yote mbili le magano, était l'ombre, ilikuaka kimvuri, de ces jours, ya shiku ya leo hii. Amen. Amina. Dis à ton ami, mweleze rafiki yako, avale sa, même Jésus était l'ombre. Mezai, ata Yesu alikuwaka kimvuri. C'est pourquoi, njo kwa mana, nous n'avons pas la perfection, atuna na ukamilifu, dans le deuxième sacerdoce, mukikoani kya piri. Aucun apôtre de Jésus était devenu Dieu. Akuna ta mutume moja wa Yesu alikuwaka Mungu. Aucun. Ata moya. Aucun papa.
Ils ont échoué devant l'enfant épileptique. Mais quand le maître est venu, c'était l'affaire de minutes. Il y a tout le monde à Dakika. Et Frère Branham révèle, il dit c'est parce que dans Marc 9, les disciples ont trouvé quelqu'un qui prêchait comme eux. Mais ils n'ont pas voulu le recevoir. Ils l'ont chassé. Mais quand Jésus est venu, il les a corrigés. Il dit, qui n'est pas avec nous? Il est contre nous. Mais celui qui n'est pas contre nous, il est avec nous. Donc, il voulait faire une dénomination tout autour du message. Et c'est là un peu loin, là aujourd'hui, on va toucher quelque chose. Par rapport à des lignées, Dieu n'utilise pas des lignées aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'ordre de Melchisédek. La souveraineté de Dieu. Il est Il peut soulever un là-bas. Il élève un autre là-bas. Il élève un autre là-bas. Le ministère sous Melchisédek n'a pas de cordon ombilical. Na chini ya Melchisédek ailingane na kitofu. Amen. C'est une naissance virginale. Alléluia. Alléluia. Yes. Dio. Alors, Sasa. Réalisez ceci d'abord. Messieurs, nous voulions voir Jésus. Paragraphe 27. Quand je vis ce qu'on se prêchait le 24 décembre 61. Quand je vis ce qu'on dirait ces hommes et ces femmes à cette époque-là pour sauvegarder ces mêmes évangiles, quand ils ont prêché ces mêmes évangiles, la même chose qui était arrivée dans l'Ancien Testament arriva de même dans le Nouveau Testament. C'était alors exactement pareil. Ainsi, cela donne 1, 2, 3. Il est dans l'état. Ya kwanza, ya pili na ya tatu. Témoignage. Ushuda. Par lesquels? Kupitia ile maushuda. Une affaire mambo banaimalizaka. Le même Dieu, paka ule Mungu moya moya, qui avait traité avec les anciens prophètes, ula litumikaka na banabii ba zamani, a traité avec les apôtres. Alitumika tena na ba mitume. Et a traité avec les frères prénicéens. Et les voici aujourd'hui traitant de la même manière avec son peuple par les mêmes miracles, les mêmes prodiges, les mêmes évangiles, la même puissance, les mêmes dieux, tout biote. Par ces trois pour nous témoigner que c'est la vérité. Dieu Mungu donne cela en trois testaments. Analeta ile mumagano tatu. Dit, vous voyez, vous comprenez, munaelewa. Trois testaments. Magano tatu. Moïse. Moussa. Jésus. Yesu. Branham. Branham. Ce sont des leaders. Nibaongozi. Dans les trois testaments. Mouile magano tatu. Paul. Paulo. Glorifiant.
Mukutukuza le testament de Jésus. Il est agano ya Yesu. Par rapport à celui de Moïse. Kulingana na ile ya Musa. Il finit à dire. Anamalizia mkusema. La valeur d'un testament. Maana wala lazima ya agano. C'est la mort du testateur. Ni lufu lwa mwenye aliandika agano ile. Si papa a fait un testament. Kama baba aliandika agano. Tant qu'il est vivant, ile wakati yote baba chingariki mujima, ce testament n'a pas de valeur. Ile agano haina na maana ta moya. C'est comme un papa qui s'en va et à l'hôpital, il écrit, il dit tel enfant aura ça, tel aura ça, tel aura ça, et que toto fulani tabiba iki fulani tabiba. Après le papa est guéri. Na kisha baba chikufwe. Anapona. Le testament tombe kati. Ile agano ile aina tena na maana inaanguka. Tendira pamba papa tu avais écrit. Autasema baba shuri yanjika akasema. Non, il est vivant. Niko mujima. Qui peut être famé? Sema amina. Le testament agano entre en vigueur. Iko na kwa na maana lorsque le testateur sa mort alianjika agano ana kufwa. Alors, Joe Sasa, lorsque cette colonne de feu wakati inguzo ya moto a été photographiée sur William Branham, bali chukua kapicha yulu ya William Branham. Je ne parle pas de vos photos de toi là. Michi seme ima picha yenu ya partout, ya kuweka kilole kumbele appareil ya photo. Oh non, nguzo ya moto ya jua haina ile. Des imitateurs charnels. Ah, balé bakufatirisha bakimwili. Les géants de l'antiquité. Bakasongo bakale. Qui prêchent des mensonges. Beko na ubiri bongo. Pour s'opposer à Moïse. Juya kumupinga Musa. Les Corées et Datan modernes. Bakore na badatan baleo. Ils veulent montrer que eux aussi ont des lumières. Banapenda konesha sima na bobe kona nguzo ya moto. Josué, quand Moïse est parti, Yoshua wakati Musa aliendaka, n'a pas cherché la lumière. Akutafutaka nuru. Mais il voulait s'assurer. Alipenda kwa na kikisho. Que le Dieu de Moïse, Azema, cette lumière là, ule mungu wa Musa ile nuru ile, était en lui. Alikuwa kandani yake. Qui peut dire amen? Sema amina. Alors Georges Lassie. Sasa Georges Lassie. Spécialiste. Mufundi. Des documents douteux. Wama buku ile bantu beko na bisha. Auprès de FBI. Pembeni ya FBI. Un grand critiqueur de frère Branham. Ulo kumushimanga kumuzarau kabisa ndugu Branham. Il a examiné la photo. Arichunguza ile picha. Cette photo. Ile picha a été prise dans quelles circonstances? Barichukuaka mumambo gani? Se fit un débat. Ilikuaka ni mabambano avec des religieux. Na watu wa kidini. Qui disait à frère Branham? Barikuaka na eleze ya ndugu Branham. Qui prêche la fausseté? Uko na ubiri bintu bia bongo. Et ils sont passés. Na baripita près de 300 prédicateurs. Karibu wa ubiri mia tatu. Et chacun insultait frère Branham. Ile ubiri alikuwa na chambula ndugu Branham. Mais l'organisateur, il leur dit faites attention. Je ne crois pas ce que Branham enseigne. Mais depuis ce matin, je le crois. Parce que il m'a appelé. Il m'a dit que la première salle où on avait loué pour cette convention, nous n'aurons pas cette salle. Atutapata ile ukumbi. Il m'a décrit la salle ukumbi où il y aura réunion. Et c'est exactement kabisa là où nous sommes. Ile tuiko. Moi, mie, je préfère mina tamani avoir des réserves sur cet homme. Pa qui peut dire amen? Sema amina.
Amen. Et comme Élie, na ville Elia, qui vient toujours le dernier, anakuyaka paka wa mwisho, après que le faux prophète de Baal soit passé, kisha banabi babongo ba Baal kupita, William Branham, William Branham est monté à l'estrade, akapanda ku altari, il n'a pas beaucoup parlé, akusemaka bya mingi. Amen. Il dit, arisema, si c'est que je prêche, kama ibi niko na ubiri, et la vérité, libya kweri, que Dieu lui-même, Mungu ye peke, vienne confirmer, akuya kikishe, que c'est la vérité, asema ni ukweli, et dans quelques secondes, na mudakika chache, il y avait ush, kulikuwa ush, ush, ush. Le photographe pika picha a pris la photo. Aka pika picha. Il y a eu cette auréole. Akulikuwa imoto. Cette lumière. Inuru. La lumière. Nuru. Qui a rencontré Paul. Yenye likutanishanaka na Paulo. Lors du changement. Mwakati wa mabadiliko. Le sacerdoce. Ya kikoani. Et lui a parlé. Aka zungumuza naye. Je suis Jésus. Niko Yesu. Jésus. Yesu. Il a marché avec Pierre. Na Petro. N'était plus le corps. Tena mwili. Il était devenu. Alikuya sasa. Une lumière. Nuru. Qui peut dire amen? Sema amina. Et Georges Lassie. Na Georges Lassie. A examiné les documents. Alichunguza buku ile. Écoutez ce que Frère Branham dit. Ce qu'il dit à qui l'Enduku Branham a nasema. Dans la prédication Jova Jire. Dania Maubiri Yehova Ire. Prêché le 24 décembre 61. Yamutara Ishirina Ine Mwezu wa Kuminambili Mwaka wa Sitini na Moja. Paragraphe 27. Kifungo yake ya Ishirini na Saba. Plutôt 19. Nilitia kusema Kuminatisa. 10 août 57. Ya 10 août 57. Voilà, Jova Jire. Jova Jire. 10 août 57. Tare ya 10 mwezi wa 8 mwaka 57. Paragraphe 19. Fungu yake ya 19. Ils l'ont envoyé. Elle a été testée par Georges Lassie. Bali le tuma, responsable du FBI. Kuchunguza kwa Georges Lassie ule mwenye madaraka wa FBI. Pour les empreintes digitales. Kwa ajili ya malama za nyao. Et les documents. Na mabuku zingine. Un de mes critiqueurs. Moja wale wananizarawaka. Le lendemain. Environ 4 jours après. Karibu masiku ine kisha. Nous nous rendîmes à l'immeuble Shell. Tukaenda kule Shell moja moja. Où on l'avait fait venir depuis la Californie. Kule walimuitishaka toka California. De pour examiner la photo. Kwa ajili ya kuchunguza ile picha. Il a dit. Alisema. Qui s'appelle Marion Branham. Nani hapa jina yake ni Marion Branham? Je dis moi. Mie nikasema ni mie. Il a dit levez-vous. Akasema shimama. Il a dit approchez. Akasema karibia. Il a dit je vous ai critiqué. Akasema mie nilikuwa na kudharau. Il a dit j'ai entendu les gens. Akasema nilishikiaka bantu. Parler de cette lumière. Banasema kuhusu hii nuru. Et ainsi de suite. Na kadhalika. Mais a-t-il dit? Walakini alisema. Je disais. Mie nilikuwa nasema. Que c'était de la psychologie. Akasema ilikuwa ni psychologia. Mais il tendit la main. Lakini akanyolosha mkono. Il dit monsieur Branham. Akasema jamaa Branham. L'œil mécanique. Licho ya mitambo. De cet appareil photo. Ya hii chombo ya picha. Ne prend pas de la psychologie. Aichukuwake psychologia. La lumière. Nuru. A frappé l'objectif. Ilipika mukintu kabisa. Il a dit. Alisema. Du mieux de ma connaissance. Fuatana na ujuzi yangu. C'est la première fois. Njo mala ya kwanza. Qu'un être surnaturel. Mwenye ai wa kiro. Ait été scientifiquement photographié dans toute l'histoire du monde. Anachukuliwa picha kupitia njia kisiansa. Mu historia yote ya ulimwengu. Il a dit. Arisema. Un jour. Siku moya. Ça va être dans des bazar. Itakuya mu mafasi ya kwa chana chana. Dans des magasins mu partout. Mumaduga pahali pote. Mais a-t-il dit. Walakini alisema. Non pas de votre vivant. Apana palo takuwa uchingariki mujima. Car. Kwani. Le testament. Agano n'est pas valable. Aina lazima. Tant que le testateur ne
Yesu mwenye yenjika kano. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hey. Hidi fwana. Anasema nduku Branham. Papa ndake tuye vivant. Apana wakati ilo uko muzima. Quand tu seras déjà parti. Wakati utakuwa ulisha enda. Cette photo. Hii picha. Sera dans des bazar. Bata itia mumaduka mafasi ya kwa chana. Partout. Pali pote. Aura de la valeur. Itakuwa na lazima kabisa. Kaani. Le testament. Agano n'est pas valable. Aina na lazima. Tant que le testateur n'est pas mort. Ule alianjika ila agano aja kufwa. Je vais te dire. Mita kuelezea. La mort de William Branham. Lufu ya William Branham. Volonté parfaite de Dieu. Mapezi kamilifu ya Mungu. Parce que s'il était là, kwani kama alikuwa chingariki ipo, personne, hakuna mtu hata moya. Je dis bien, mimi nasema hakuna mtu hata moya. Ne pouvait comprendre. Ule aliwezaka kuelewa. Dans cette photographie de la colonne de feu, hii picha ya nguzo ya moto confirme le troisième testament. Inahakikisha ile agano ya tatu. Amen. Amen. Le troisième testament, agano ya tatu, où la charge a été donnée à William Branham, où le madaraka balipatia yo William Marion Branham, et il était le testateur. Na yenjo alikuwa mwenye alianjika ile agano. Il fallait qu'il quitte la scène. Il itakiwa atoke pa budongo. Voilà, prenez quelque chose. Tazamen, mwangalieni kitu kingine. Question réponse sur les Hébreux. Swali na majibu pa Waebrania. Troisième partie. Sehemu yake ya tatu. Paragraphe 916. Kifungu yake ya 916. Écoutez. Sikilizeni. Branham dit écoutez. Branham anasema sikilizeni. Pourquoi le monde? Dieu a nini dunia. N'a-t-il pas compris cette photo là? A bakuelewe i picha. Pourquoi Dieu a nini n'ont-il pas saisi cela rapidement? A bakuelewe i mbio mbio. Pourquoi Dieu a nini ne saisit-il pas toutes ces autres choses? Abaelewe imabitu yote ingine. Pourquoi Dieu a nini ne saisit-il pas ces prophéties et ces choses? Abaelewe imaunabi naibi bintu ces choses. Ibi bintu. Pourquoi? Njou ya nini? Et vous savez, munajua, ils ne le peuvent pas maintenant. Abawezi kubielewa apa sasa. Mais, walakini, un jour, shikumoi, je quitterai le monde, sa toka padunia, et après que je serai parti, na kisha mie kwenda, alors, jo pale sasa, ils reconnaîtront cela, batatambua ile, certains, bengine, d'entre vous, katikati yenu, les jeunes gens, babiana, comprendront cela, bataelewa ile, après mon départ, ishamie kwenda, vous voyez, munaona, mais, walakini, Dieu ne permettra pas, Mungu ashita rusu, que cela se fasse maintenant, bile bifanishike, apa sasa, kipani amen, sema amina, il dit des prophéties, anasema mauna, des choses, ma bintu, la photo, picha, les gens, bantu, ne le comprennent pas, ils ne peuvent pas le comprendre maintenant, abawezi kubielewa
pasasa. Quand je quitterai ce monde, lorsque je serai parti, les jeunes gens babiana comprendront. Aujourd'hui, Léo, cette écriture iandiko est inatimizika. Qui peut dire amen? Amen. Il n'a pas dit les géants de l'Antiquité comprendront. Akusema bakasongo bazamani bataelewa. Mais il a dit les jeunes. Voilà qui n'a risema babiana. Dieu va susciter les jeunes. Mungu atashimamisha biana. Et ces jeunes na bale babiana vont comprendre ces choses. Bataelewa ibibintu. Et si Dieu t'a fait Nakama Mungu alikufanizia neema d'être connecté par le ministère d'un jeune, yakuya mwenye kuchomekewa ku huduma ya kiana, tu as la vie, uko na uzima. Parce que Femana oni ntuku Branham a vu la venue des jeunes, aliona ujio ya biana. Le young will come, babiana beko nakuya. The young will understand these things. Babiana bayorda kwa kuona vibitu. Et aujourd'hui, hello, the young sont venus. Babiana barikuya. Par les gens qui ont commencé avec le message. Apana bantu bale barianzaka na ujumbe. Ceux qui ont commencé avec le message na ujumbe ont leur place de manger, yakula, de dormir, yakulala, et de faire des songes. Mais la vision de la parole, ono ya neno, la vision du message, ono ya ujumbe, c'est les jeunes gens. Nibiana. Joël dit, Joël anasema, vos veillards auront des songes. Baze benu batakuwa na mandoto. Et les jeunes gens, lakini biana, auront des visions. Batakuwa na maono. Aujourd'hui, yeah, c'est l'écriture. Iandiko inatimizika. Kipari aleluya. Aleluya. Kipari aleluya. Amina. Yeah. Biyo. Mais voilà qui, pourquoi elle rush? Kwanini elle rush? Veut montrer que lui comprend mieux que les anciens. Anafia konesha sema yeye vile ko kiana ekonelewa. Il comprend mieux que les anciens. Ekonelewa mzuri kushindia baze. C'est la prophétie qui s'accomplit. Ah ah. Ni unabii nje kunatimizika. Ce n'est pas moi qui le veux. Aina mie nje minapenda. C'est seulement ni la prophétie unabii tu qui s'accomplit. Iko natimizika. Alléluia. Sema alléluia. Oh my. Hey my. Les young piana comprendront. Bataelewa. Et c'est eux qui vont prendre ces choses. Nani bo njo batachukua ibi bintu. Pour le montrer. Kwa ajili ya kubionesha wajiwaji. Et je vous ai lu, je crois, la semaine passée. Na nili misomea nafikiri wiki iliyopita. Branham dit. Branham anasema. Si je dis, dites ce que disent les membres. Kama mimi nasema semeni paka kile mautepe nasema. Parce que les visions que je donne, les gens ne les comprennent. Wani, maono ini kunaleta bantu abaye lewe. Alors il faut quelqu'un. Parce que natakiwa muntu qui puisse dire. Ula naweza kusema ce que je dis. Kile mie nilisema. C'est alors que je parle, toi, weye, tu comprendras. Utaelewa. Amen. Amina. Alors, sasa, la colonne de feu, nguzo ya moto, c'est la divinité. Nibumungu. C'est le logos. Ni logosi. C'est la plénitude de Dieu. Njo utele ya Mungu. Et c'est la colonne de feu. Na ninguzo ya moto. Qui est la clé du troisième testament. Njo inakuwa fungulo ya agano ya tatu. Amen. 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 Vous voyez ça, hein? Unaona hii? Donc, c'est un testament. Manake ni agano dans lesquels les les
croyants Wamini sont bénéficiaires de la divinité. Wana faidiki ya bumungu. La colonne de feu, c'est notre héritage. Nguzo ya moto ni urithi yetu. Et tant que frère Branham était là, on n'allait pas comprendre. Ile wakati yote ndugu Branham alikuwa chingariki pa bulongo, atukuwezaka kuelewa. Mais son départ, walakini kwenda tu kwake, nous permet de kunaturusu de savoir tujue que la divinité asema bumungu c'est notre héritage. Ni urithi yetu. Parce que la mort du testateur est constante. Lufu ya mwenye aliandika agano lunatambulika. Le Dieu de frère Branham, ule Mungu wa Branham peut devenir ton Dieu. Anaweza kuya Mungu wako dans chaque circonstance. Mumambo yoyote. Dans chaque chose, mon kintu kyote. Dans le deuxième sacerdoce, mui kikoani kiapiri, qui est le sacerdoce de chandelle. Yenye na kwa kikoani ya miushuma, c'est de reconnaître Dieu uniquement dans les messagers, c'est fini. Ni kumutambua tu Mungu ndani ya mujumbe kunaishia pale. Mais, kwa lakini. Lorsque nous avançons, wakati tunasonga mbele, dans le troisième sacerdoce, mu agano ya tatu, la loi change. Pale sheria na badirika. C'est la pensée éternelle de Elohim. Ni ile mawazo ya milele ya Elohim. Oui, il voulait voir beaucoup d'Elohim qui entoure Elohim. Yari pendaka kuona ba Elohim ba mingi banazunguluka Elohim. Le royaume des Elohim. Ufalme ya ba Elohim. Elohim saluant Elohim. Elohim mukumulamukia Elohim mwingine. Elohim visitant Elohim. Elohim mukutembelea Elohim mwingine. Si tu es Elohim saluant l'autre Elohim. Kama uko Elohim mulamukia Elohim mwingine. Amen. Amina. Amen. Amina. 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 C'est ce que Dieu voulait. Jokile Mungu aripendaka. Et je prie beaucoup Dieu. Nami naomba sana zaidi. Qu'est-ce que je vais donner à cet homme? Ndugu moja alinifuata. Il ne prie pas ici. Alinifuata katika mtandao wa Spain kwa simamu wa Melkisedeki ati nitampatia nini huyu mtu? Il ne prie pas ici. Ashombaki hapa. Il est allé me faire fabriquer une tasse. Anaenda kunifanyia tu kankopo. Tout noir. Keusi kazima. Il dit pasteur c'est conforme aux choses que tu enseignes. Ase mchungaji inafanana kabisa na bintu bilio nafundishaka. Il dit mettez de l'eau chaude. Asema weka moto mai ya moto. Quand je mets de l'eau chaude. Watu lika mai ya moto. Mon visage est apparu. Mino na nsula yangu inatokelea. Et les écritures. Na miandiko kando. L'ordre de Melchisedek. Mpango ya Melchisedeki. Quand c'est froid, wakati kubaridi, les écrits et l'image on ne voit pas. Niandiko na picha inapotea. Quand c'est chaud, wakati ko moto, les écritures se font. Niandiko inaonekana. Ces choses, ibibintu. Si tu restes froid et indifférent, wana bakia wa baridi na wakusula. Tu ne verras rien. Hautaona kintu. Lakini, lorsque tu es chaud, wakati kwa moto, même ce qui était caché, ata bila biko bya kufuchama, ça va devenir. Inatokea peupe. Alléluia. Alléluia. Hey! Hey! Amina, amina. C'est l'héritage, ni urithi, la divinité. Bumungu. Ne pleurez pas, ne te lamentez pas devant un problème. Ushirierie mbele ya mambo fulani. Vous savez? Mnajua? Frère Branham. Nduku Branham était avec les frères Lille et les autres. Alikuwa na nduku Lille na wengine à la pêche. Mukuloba. Et
Le frère Lille a tiré un petit poisson là. Nanduku Lille a dit l'opola kandakala. Qu'on ne peut pas manger. Kala ba zikula kaloko ivi. Et tous les intestins étaient dehors. Na bia kuntumbo bio tandakala bilikuwa inji. Et frère Branham a eu pitié. Nandubanam a mushikiria buluma. Et pendant qu'il voulait se lamenter. Na wakati alipenda kuririria. La voix lui a parlé dans son cœur. Tu es toujours Dieu. Sauti na mwelezea mumoyo asema Uko paka mungu. Parle seulement. Sema tu. Tu es toujours Dieu. Uko paka mungu. Dieu mungu qui parle à son fils. Mwenye nasema kwa mwana wake. Que tu es asema, toujours Dieu. Uko paka mungu. Et frère Branham. Na nduku Branham. A cessé de se lamenter. Aliacha kuririria. Il prend le petit poisson. Anachukua kale kandakala. Il dit petit poisson je. Anasema kaweka ndakala mie. Je. Mie. Na kupatia tena. Uzima. Et le poisson s'il na kandakala kanafufuka. Des problèmes. Mbele ya mambo yako. Tu es toujours. Uko paka mungu. Qui peut dire alléluia? Alléluia. Yes. Dio. Tu es toujours. Uko paka mungu. Cause de cette asema, petite erreur. Tu as kankosa kaloko nafanya hapa. De la chair. Kakimwili. Dieu ne peut pas t'écouter. Mungu hashiwezi kukushikia. Le sacerdoce a déjà kikooni kirisha badirika. Et quand le sacerdoce change. Na wakati kikooni kinabadirika. La loi. Sheria nayo. Change automatiquement. Inabadirika mara moja. Amen. Amina. Dans les âges, Mubizazi, il a été dit, Barisemaka, si un frère pêche, il vient à l'assemblée, kama nduku anatenda zambi anakuwa kumaskani, il va gâcher la réunion, atarbisha mkutano, mais pas aujourd'hui. Il est mambo leo apana. Le sacerdoce a déjà kikoani kirisha badirika. Si tu as tes problèmes, kama kuna mamambo, tes péchés, manzambi yako, ton incrédulité, kukosa kwako kuamini, c'est entre toi et Dieu. Ni kati yako weye na Mungu. Toi tu ne vas pas gâcher notre réunion. Weye hautaharibisha mkutano yetu. Nous sommes dans un octave supérieur. Le sacerdoce qui connaît Kirisha Badirika. Qui peut dire alléluia? Alléluia. Amina. 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 Nous prenons la prédication, les signes. Tunachukua mahubiri alama. Les signes. Alama. 1er septembre 63. Tarehe ya kwanza mwezi wa 9 mwaka wa 63. Paragraphe 88. Kifungu yake ya 88. Amen. Amina, amina. 88 nous descendons. 88 tunaendelea. À la maison tu peux aller même jusqu'à à 96. Kunyumba unaweza kwenda hata ku 96. Comme l'a dit Hébreux 11. Baka vile wa Hebrewia 11 walisema tout cela bo te bale qui a l'air ça et là venye vêtu de peau de brebis. Baliendaka huku na kule baliovala mavazi ya wankondo et des peaux de chèvre. Na mangozi ya mabeberu qui était dénué de tout. Yenye balikuwa acha kukosa yote. Et toutes ces choses qu'ils firent. Na ile mabitu yote balifanyaka. Néanmoins. Kwa lakini. Ne parvinrent pas sans nous à la perfection. Abafikie bila cheye kukamilifu. Dans un premier temps, quand Paul disait sans nous, il se mettait aussi. Kwanza kwanza pale Paulo alikuwa anasemaka bila cheye, ye Paulo ndiye alikuwa anaringisha mondani. Mais après, walakini kumwisho, il a compris, akaelewa,
que lui asema yeye va mourir atakufa, il y aura un autre âge kutakuwa kizazi kingine, un autre mwingine, un autre mwingine, un autre kingine. C'est pourquoi njokwa mana avant sa mort il dit Laodicée, anasema Laodikia, tu n'as pas vu mon visage au kuone sura yangu, mais je te salue kwa lakini nakulamukia. Ah, comme prophète ah savile nabi, il a compris que des mystères seront clairs à Laodicée. Arielo asema masiri taungana na Laodikia. Il a salué frère Branham, alilamukia ndugu Branham luambari. Il m'a salué. Arini la mukia mie. Il t'a salué. Arikula mukia weye. Alors, sans nous, c'est vraiment nous. Tata, bila chez, ni chez, kabisa, kabisa. Malgré tout ce qu'ils ont fait. Aizuru biote bile barifuanyaka. Parce que pour Dieu, kwani kwa jili ya Mungu, la chose difficile, ce n'est pas des miracles qu'eux ont fait. Kianguvu aiko miujiza ile bo barifuanyaka. Mais kwa lakini la révélation de ce jour. Ufunuo ya shiku ya leo. Croire à ça. Kuamini ile ufunuo n'est pas donné à tout le monde. Aina kitu ile banapatia mtu wowote. C'est de loin que des miracles que eux ont fait. Inapitia na mbari sana miujiza ile bo barifuanyaka. Je crois des miracles moi. Mie mina mini miujiza. Quelqu'un pourrait comprendre comme si le pasteur El Rash n'aime pas des miracles. Dengine banaweza kuelewa satu mchungaji El Rash ashipendake miujiza. Ma vie elle-même c'est un miracle. Maisha yangu yo yenyewe ni miujiza. Et je sais que là où il y a Dieu, il agit. Na mina jua sema fashe peko Mungu anatendaka. Et vous êtes témoin de quelques miracles ici. Na mwe muko bashuda ba miujiza chache apa. Et si Dieu le veut, vous allez le voir encore. Na kama Mungu anapenda, mutaona tena miujiza ingine ya mingi. Surtout que ta vie devienne un miracle. Zaidi maisha yako ikue mujiza. Peu importe ce qu'ils ont fait. Aizuru biote bile barifaniaka. Sans nous. Bila sheye. Ils ne peuvent pas arriver à la perfection. Abawezi kufikia ku ukamilifu. Branham dit, et l'église qui en ce jour a reçu les signes. Branham anasema na kanisa ile musiku ya leo ilipokea ile alama. Le baptême du Saint-Esprit. Montrant que le sang a été répandu. Mukonesha sema damu ilimwangikaka. Et que le Saint-Esprit est sur l'église. Na Rome takatifu eko yulu ya kanisa. Sans nous, bila sheye, ils ne peuvent donc pas ressusciter. Ni kusema abawezi kufufuka. Même la résurrection dépend de nous. Ata ufufuko yabo inalingana na sheye. Donc sans nous, ni kusema bila sheye, ils ne peuvent pas ressusciter. Abawezi kufufuka. Donc la résurrection attendait que nous soyons là. Nikusema ufufuko yabo ilikuwa naongojea sheye tukuepo. Et quand nous sommes là, na wakati sheye tukuapo, maintenant eux ils sont ressuscités. Bale sasa banaweza kufufuka. Ils sont ressuscités. Banafufuka. Parce qu'ils sont ici. Kwani beko hapa. Ils jubilent avec vous. Beko na furahi na sheye hapa. Qui peut dire amen? C'est mamina. Frère Branham parlait dans un auditoire visible et invisible. Ndugu Branham alikuwa na ubiri mukumbi ya konekana na shipo konekana. Et des petits prédicateurs disent que l'auditoire invisible signifie ce qui était lié au na téléphone. Na ubiri wa chini wanasema ukumbi isionekana ni bale alikuwa anafuata kumtandao. Et frère Branham va avancer. Na ndugu Branham ataendelea. Je prêche entre les morts et les vivants. Anasema ndugu na ubiri kati ya bajima na bafu. Qui peut dire amen? Sema amina. Donc les morts sont déjà wafu warisha fufuka. Ils sont là. Beko hapa. Sans nous, bila
lâchés. Ils ne peuvent donc pas ressusciter. Nikusema abawezi kufufuka. Mais walakini, ils comptent sur nous. Beko na tutumainia. Car Dieu a promis qu'il l'aurait. Kwani Mungu alisemaka sema atawapata. L'aurait lui. Atampata. Et quelqu'un y sera. Na mtu mwa atakuwa. Quelqu'un y sera. Na mtu mwa atakuwa hapo. Pour la perfection là. Kwa ajili ya ile ukamilifu. Quelqu'un y sera. Mtu mwa atakuwa hapo. Je ne sais pas qui ce sera. Sijue itakuwaka ni nani. Mais quelqu'un les recevra. Walakini ule mtu moja atamupokea. Tout ce dont je suis responsable. Walakini niko tu adaraka. C'est de prêcher cela. Niko tu na madaraka ya kubiri ile. C'est l'affaire de Dieu. Ni mambo ya Mungu. De chercher cette semence prédestinée. Ya kutafuta ile mbeko iliyo tayarishiwa. Il y en aura là pourtant. Itakuwa hapo kwa lakini. Parce qu'ils seront là. Kwani watakuwa hapo. Donc la perfection là dépendra de quelqu'un que Frère Branham ne connaît pas. Manaki ukamilifu ile talingana na mtu ule ndugu Branham ajue. Mais c'est quelqu'un là, celui qui va recevoir la chose. Walakini ule mtu ule ni yeye atapokea ile kitu. Et tout le monde compte sur lui. Na bote beko na mtumainia. Et je vous dis, c'est quelqu'un là, c'est Frère Branham. Na mina kueleza sema ule mtu ule ni ndugu Branham. Pas quelqu'un d'autre. Hapana mtu mwingine. Celui qui a reçu la pierre de fête, c'est Frère Branham. Ula lipokea dibwe ya chongo ni ndugu Branham. Celui que tous attendaient. Ni ule chose que wanangoja ile mbeko ile. C'est Frère Branham. Ni ndugu Branham. Lui il a balbutié. Walakini alisema tu yuluyulu. Lui il a balbutié. Ye tu alikunkumina. Mais il a dit quelqu'un viendra dire ce que j'ai dit. Walakini alisema kutakuwa mtu la ataka kusema hivi niko nasema. Et moi je viens vous dire ce qu'il a dit. Na mie na wao mielezea kila alisema. Et c'est quelqu'un là. Asema ule mtu ule. C'est William Branham. Ni William Branham. C'est lui qui reçoit. Ni enjo anapokea. La perfection. Ukamilifu. C'est lui que tous attendent. Ni enjo ule bote balikuwa naongojea. Amen. Amina. Souvenez-vous. Kumbukeni. Israël passa par bien des choses. Israël alipitiaka pa bintu mingi. Mais kwa lakini, c'est au temps du soir que le signe fut exigé. Ni kuwakati wa mangaribi njo balilazimisha alama. C'est le paragraphe 90. Nikifungua ya 90. Pas le matin. Apana asubuhi. Pas pendant la préparation. Apana mwakati wa matayarisho. C'est 14 jours. Ni masiku kumi na ine. Oui, gardez l'agneau. Ndio kwa na chunga mwana kondo. Israël savait. Israël alijuaka. Que quelque chose allait venir. Asema kitu moja kilipashaka kuja. Pendant les 14 jours, ils ont gardé l'agneau. Wile masiku kumi na ine ile balichungaka mwana kondo. Ils savaient. Bari juaka. Que quelque chose est en route. Asema kitu mweko munjia. Pourquoi l'agneau a été gardé 14 jours? Wanini balichunga mwana kondo masiku kumi na ine? Dans le cycle féminin. Mu ukike. Le 14e jour. Il est siku ya kumi na ine. C'est le jour de la vie. Jo siku ya uzima. Et la vie c'est le soir. Na uzima ni mangaribi. Pas le matin. Apana asubuhi. Pas à midi. Apana mchana. Mais le soir. Walakini mangaribi. Or dans 14 il y a deux sabbats. Mukumi na ine muko masabato mbiri. 7 jours. Masiku saba ya kwanja. Qui sont les 7 âges de l'Ancien Testament. Yenye na kwa bizazi saba biagano la kale. Et les 7 âges. Na bizazi saba. Du Nouveau Testament. Biagano mpya. Il y a eu 7 âges de l'Église dans l'Ancien Testament. S'il vous plaît. Il y a eu 7 âges de l'Église. Kwa bizazi saba ya kanisa mwagano la kale.
Le septième âge, c'était quand Akab était là. Kizazi kia saba kilikuwaka wakati Akabu alikuwa kapo. Le premier messager du premier âge, c'était l'âge édénique. Le messager, c'était Dieu. Mujumbe wa kwanza ilikuwaka ni l'âge édénique. Kizazi kia unique, mujumbe ilikuwaka ni Mungu. Et ça a évolué. Le septième, c'était quand Akab était là. Na liendelea mujumbe wa saba ni pale Akab alikuwa kapo. Et Eli était le messager. Na Eli alikuwa kanabi. 14 jours, c'est 7 dans l'Ancien Testament, 7 dans le Nouveau Testament. Masiku kumi na ine, ni masiku saba mwagano la kale, masiku saba mwagano mpya. C'est les 14 années du labeur de Jacob. Njole miaka kumi na ine ya kazi ya nguvu ya Yakobo. Oh, il a travaillé les 7 premières années. Et son souci, ce n'était pas Léa, c'était Rachel. Miaka saba ya kwanja, mangaiko yacha kuwaka Léa, ilikuwa ni Rachel. On lui dit que dans la coutume, tu ne peux pas prendre la cadette avant l'aîné. Travaille encore 7 ans. Mukikabila wezi kuchukua wa mwisho mbele ya wa kwanza, tumika tena miaka ingine saba. Et les deuxièmes 7 ans, c'était na toujours pour Rachel. Il n'a jamais travaillé pour Léa. Na ile miaka ya saba ile ilifuata alitumika tena njuu ya Rachel. Aya tumikaka atashikumwa njuu ya Léa. Amen. Amina. Et si tu demandes à Dieu quelque chose dans ta prière, même quand tu as le minimum, ne sois pas découragé. Ukimulomba, parce que toi, tu n'as pas prié pour le minimum. Ukimulomba Mungu kwa jina kitu fulani, atona pata tuloko tuloko, ushipoteze moyo. Wea ukulomba tule tuloko tuloko. Reçois le minimum. Pokea tule tuloko tuloko. Mais continue en dire. Endelea na kuvumilia. Et enfin Rachel sera là. Na kumwisho Rachel atafika paka. Et les 7 âges de l'église. Na ile bizazi saba ya kanisa. Pour l'ancien et pour le nouveau. Kwa ajili ya agano mpya na agano ya kale. A été démontré en type dans la vie d'Abraham. Balionesha mfano mu maisha ya Ibrahim. Il est dit que Abraham a rencontré Dieu 7 fois. Barisema Ibrahim alikutanishana na Mungu mala saba. Il a entendu des voix. Arishikiaka sauti. Il a vu les tourbillons. Kulikuyaka vunda vunda. Il a eu des songes. Alipata ndoto. Il a eu des visions. Alipata ono. Et la septième fois. Na mala ya saba. Il a vu Elohim. Ariona Elohima. Sous la forme d'un homme. Muali ya muntu. Et c'était l'achèvement. Na ilikuwa ni mwisho. C'était la perfection. Ilikuwa ni ukamilifu. Et vous allez voir. Et vous allez voir mutaona, que la Samaritaine, asema ule mwanamke msamaria, qui était prostituée, ule alikuwaka mkaaba, quand elle a rencontré le fils de l'homme, wakati alikutanishanaka na ule mwana wa mtu, il lui a dit, alimwelezeaka, tu as eu 5 maris, ulipata babwana tano. Même celui avec qui tu vis maintenant. Ata huyu bwana huyu kunaishi naye hapa sasa. Le sixième. Huyu bwana wa sita. N'est pas ton mari. Ashina bwana yako. Et la femme était devant le septième. Na mwanamke alikuwa mbele ya bwana wa saba. Et le septième. Na wa saba. C'était la parole faite. Ilikuwa ni neno lilodifanya mtu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Na nini ilifika? La femme a reçu le repos. Mwanamke alipokea ma pumziko. Elle a jeté sa cruche. Alitupa kaningu elle yake. A couru dans la ville. Alikimbia mtauni. Venez voir. Atakujeni muone. Celui que j'ai rencontré. Ule mina kutanishana naye. Est-ce que ce n'est pas lui le Messie? Eti aina yeye Masia. Le septième, le chiffre 7. Na ule wa saba, tarakimu saba. C'est la perfection. Ni ukamilifu. Quand on arrive au chiffre 7. Wakati unafika kutarakimu saba. C'est l'achèvement. Ni kumaliza. Le septième. Na saba. Ça a toujours été Dieu dans la chair. Kila mare na karaka Mungu mumwili ya muntu. Recevez le repos. Na mupokeeni mapumziko. Recevez le sabbat. Pokeeni sabato. Recevez la liberté. Pokeeni uhuru. Recevez la délivrance totale. Pokeeni ukombolezi wa ujumla. Amen. Amina. L'agneau était gardé. Il savait que quelque chose allait venir. Luther le savait aussi. Lutana ya ilijua kapia. 91.
Wesley le savait aussi. Wesley lijua kapia. Finney Knox Calvin. Finney Knox Calvino le savait également. Wao pia walijua ka vile vile. Nous y voici. Jaba tunafikia ko. Il savait qu'il viendra un temps. Balijua kasema kutakuwa wakati. Où la colonne de wakati ile nguzo ya moto reviendra à l'église. Itaruria kukanisa. Il savait. Bali juaka. Il viendra un temps. Atima kutafika wakati où ces choses se produiront. Bale ibi bintu bitaonekana. Seulement kwa lakini tu ils n'ont pas vécu assez longtemps pour le voir. Aba kuishi wakati murefu kwa ajili ya kuona. Mais ils attendaient cela avec impatience. Kwa lakini balikuwa na ungojea ile na kukosa uvumilivu. Israël savait que quelque chose allait venir. Israël alijua kasema kitu moja ilipashaka kufika. Mais c'était autant d'histoire que le sang de cet agneau. Kwa lakini kwani kwa wakati wa jioni njoo damu ya ule mwana kondoo. Fut placé sur la porte. Il tiliwa pa mulango. Toutefois l'agneau était déjà gardé. Kwa lakini tu mwana kondo balikuwaka barisha muchunga. C'était l'agneau tout au long. Kote kule likuwaka ni paka mwana kondo. Du temps de Luther c'était l'agneau. Mwakati wa Luther ilikuwaka paka mwana kondo. Du temps de Wesley c'était l'agneau. Mwakati wa Wesley ilikuwaka paka mwana kondo. Mais c'est maintenant le temps du signe. Kwa lakini hapa sasa njo wakati wa alama. Où chaque maison doit être couverte du signe. Bale kila nyumba banapasha kuifunika na alama. Au temps de Luther wakati wa Luther, au temps de Wesley, wakati wa Wesley, au temps de la Pentecôte, wakati wa Pentecôte, l'agneau était gardé. Mwana kondo balikuwa biko na muchunga. Mais le signe est appliqué le soir. Alama banaitia mangaribi. Qui est l'agneau gardé? Mwana kondo ni nani? Parce que l'agneau tiwe nous c'est Jésus. Ndio mwana kondo le bariwa. Tunajua sema ni Yesu. Maintenant l'agneau gardé au cours des âges c'est qui? Sasa ule mwana kondo balichunga muwakati yote ya vizazi ni nani? Parce qu'il y a un agneau qui est gardé tout au long des âges, il est révélé le soir. Njukuko mwana kondo le banamuchunga mu vizazi byote banamufunua mangaribi. Gardé au temps de Luther. Banamuchunga wakati banamuchunga mwakati wa Wesley. Gardé à la Pentecôte. Banamuchunga ku Pentecôte. Mais le soir, kwa lakini kumangaribi, le signe est appliqué. Jo alama inatiliwa. Nous voyons l'agneau comme immolé. Tunamuona mwana kondo satu barisha muchinja. Amen. Amina. L'agneau gardé lui n'est pas immolé. Ule mwana kondo barichunga yeye ashina mwenye kuchinjiwa. Iye agneau qui était immolé. Kuko mwana kondo le barichinja. Et vers le soir, nous voyons l'agneau comme immolé. Parce qu'il a le sang de l'agneau qui est. Bon, c'est toi cet agneau. Sasa, weye njo ule mwana kondo. Oui, c'est toi cet agneau. Dio, weye njo ule mwana kondo. C'est toi cet agneau. Weye njo ule mwana kondo. L'agneau c'est une nature. Mwana kondo ni asili. C'est l'humilité. Ni unyenyekevu. L'agneau là c'est un homme. Mwana kondo ule ni muntu. Sur lequel Paule muntu la colombe est venue. Njiwa alichuka. Parce que Jean Yohano, quand il était dans le désert, wakati alikuwaka mujangwa, on lui a dit parimwelezeaka l'homme ule muntu sur sa tête yulu ya kichwa yake verra la lumière utaona nuru comme une colombe sabile njiwa. C'est lui. Njo ule muntu. Et dans cette salle na mui kanisa cherchez l'homme qui a la lumière. Mutafuteni muntu ule kona nuru. Il est là. Yeah, ule pale. Qui peut dire alléluia? Sema alléluia. La colombe sur l'agneau. Jiwa yulu ya mwana kondo. Ça va? Uko nanielewa? Je suis très haut. Mina panda yulu sana.
Vous comprenez? Mukuna elewa. C'est ça le message. Joe Jumbei. Je ne sais pas fabriquer d'autres choses. Si jue kutunga bintu bingine. Si je vous dis d'autres choses. Kama mimi naleta bintu bingine. Je serai un faux témoin. Takwa mushuda wa biabongo. Je dois vous dire le message. Mina pashwa kumielezea ujumbe. Et c'est ça la vie. Na injo uzima. Vers le soir. Wakati wa mangaribi. La vie est appliquée. Uzima inatiliwa. Pas le sang. Apana damu. Mais la vie. Walakini uzima. Parce que le sacerdoce du sang de Jésus est déjà passé. Wani kikowani kia damu ya Yesu kirisha kapita. C'est encore là. Iching anjiko chingariki pale. 94. Tisini na ine. Du sang. Damu. Identifier le croyant. Ilikuwa na tambulisha muamini. Parce que la vie. Njou uzima. S'est retiré. Itoka. Et ne pouvait pas revenir. Na ikuweza katena kururia. Il fallait donc qu'il ait des composants chimiques. Itakia kukwele utungo ya majimaji. Il devait avoir une espèce de peinture. Ulipasha kuwa rangi moja hivi. Du sang. Damu. Des composants chimiques. Utungiwa ya kishimia. Montrer que la vie s'en était allée. Ile kwa naonesha sema uzima iliondoka inaenda. Ce n'est pas moi. C'est Frère Branham qui appelle le sang de Jésus la peinture. Ninduku Branham njoko naita damu ya Yesu mpenchi. C'est la peinture. Ni mpenchi. C'est le composant chimique. Ni vitu viliotunga. Celui qui a la foi pentecôtiste veut mourir. Ule eko na imani ya kipentecôtiste atakufia hapa. Il veut mourir. Maintenant, sasa, 95. Maintenant, tisini na tano, sasa, l'esprit lui-même est le signe. Ro ye mwenyewe njo alama. Le Saint-Esprit lui-même est le signe. Ro mtakatifu ye mwenyewe ni alama. Pas le sang. Apana damu. C'est Frère Branham. Nous ne sommes plus dans le sacerdoce du sang. Atuna tena mukikowani kya damu. Pas le sang. Apana damu. Le sang damu a été répandu au calvaire. Bali mwangaka ku calvari. C'est vrai. Ni bia kweri. Mais kwa lakini le sang en tant que tel. Damu savile damu est retourné aux éléments dont il avait été pris, les aliments dont il se nourrissait. Irirudia kuvyombo vile vitokeaka byakuria bila alikuaka na kuria ndio bitungaka ile damu. Il mangeait les légumes. Alikuwa na kuria lenga lenga. Il mangeait les poissons. Alikuwa na kuria samaki. Il mangeait les pains. Alikuwa na kuria mukate. Tout ça ça constituait na tunga ile damu. Il a versé le sang à la croix. Alimwangaka ile damu kumusalaba. C'est vrai. Ni biakwe. Le sang a fait son travail. Ile damu ifanya kazi yake. Il nous a sauvé de la vie du péché. Ituokoa kutoka maisha ya nzambi. Il a ôté le péché de nos âmes. Iliondoa nzambi mumanafsi yetu. Et moi je n'ai pas de péché. Na mie shina na nzambi. Le problème du péché a été réglé il y a 2000 ans. Mambo ya nzambi ilimalizikaka kuko miaka 2000. N'accepte jamais que tu as de péché. Ushichikaki atashi kumoya sema uko na nzambi. Dans le troisième sacerdoce. Mukikooni kia tatu. Il n'y a pas de péché. Amuna nzambi. Jésus notre sauveur. Yesu mokozi wetu. A réglé le problème du péché à la croix il y a 2000. Arimalizaka mambo ya nzambi kumusalaba kuko miaka 2000. Je peux
peux avoir des erreurs. Léo, mina weza kwa na tumankosa. Et je vais arranger. Na mina weza kutengeneza mais pas de péché. Kwa lakini nzambi siwezi kwa nayo. Mais pour le péché a été déjà. Mama nzambi balishaka kuimaliza. Sema amina. Donc je prêche un peuple sans péché. Niko na ubiri taifa ile aina na nzambi. Kipani haleluya. Sema haleluya. Est-ce que vous comprenez? Timuko na elewa. Mais voilà qui le sang attend que tel. Damu, sa ville est damu. Composant chimique. Vitungo ya chimia. Peinture. Rangi penchi. Et retourner. Irirudia. Aux éléments. Kuvitungo yake oui la vete venye vile kule lichukuliwaka les aliments mabia kuria qui se nourrissent bila kuwaka na kuria. Dis à ton ami aujourd'hui ce n'est pas le sang. Umweleze rafiki yako asema leo aina tena damu. Aujourd'hui ce n'est pas le sang. Leo aina tena damu. Le sang est retourné dans les matembele. Iriruria mu matembele. Dans les lenga lenga. Mu malenga lenga. Dans les poissons. Mu samanki. Dans les thomson. Mu thomson. Inaruria mu. Kwa lakini. La vie. Ile uzima. Qui était dans le ile sang. Irikuyaka ndani ya ile damu. C'est ça le signe. Njo alama. Qui peut dire amen? Sema amina. Dans ce troisième sacerdoce. Mouiki kowani kia tatu. La loi a changé. Sheria ibadirika. Nous n'avançons pas avec le sang. Atusonge tena na damu. Mais avec la vie. Walakini na uzima. Et c'est quoi la vie? Na uzima ni nini? La shekina. Ni shekina. La colonne de feu. Nguzo ya moto. La divinité. Bumungu. Vous avez des prédicateurs. Munajua baubiri. Parfois ils me font rire. Mo wakati ngine bana ni chekeshaka. Bwana mimi naona ile damu. Oh, je vois le sang de Jésus. Oh damu. Oh le sang. Ah. Dans ce sacerdoce. Mwiki kowani. Vous nous invoquez le sang. Huku na tuiti ya damu. Non, le sang aujourd'hui ce n'est pas ça. Apana. Damu leo aina ile. Le sang d'aujourd'hui. Damu ya leo. C'est le message. Ni ujumbe. Pas la peinture. Apana mpenchi. Vous avez entendu encore. Nilishikiaka tena. Vous écoutez encore ce qu'il dit là. Munashikia bila naanza kusema damu ya Yesu inakuwa mpenchi. Mshakuonaka. C'est un blasphémateur. Huyu ni mtu wa kukufuru anaanza kuita damu ya Yesu mpenchi. Il adore Branham en secret. Eko na budu Branham mchumba yake ndio mna nabudu yaka Branham. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Shia ifanyaka na shita ifanyaka. Il vous empêche seulement de venir à la vie. Beko na mizuiza tu mushikuye kuzima. Nous entrons là avec la vie. Duko na ingia mule ndani na uzima. Le sacerdoce est en changé. Kikoni vile kilisha badilika. La loi aussi a changé. Sheria nao pia ina badilika. Ce n'est plus le sang là du calvaire, c'est la peinture. Aina tena le damu ya kukalvari. Ile ya kukalvari ni mpenchi. Se retourne au lenga lenga. Ilisha kururia kulenga lenga kumatembele. Dans les haricots. Mumaraki, biboua boua. Merci pour l'avenir de Branham. Accenti kwa jili ya ujira Branham. Vous voyez. Munaona. A l'intérieur de cette cellule de sang se trouvait une vie. Ndani ya ile chembe chembe ya damu mulikuwaka uzima. Qui mit la cellule sanguine en mouvement. Ile natia le chembe chembe katika mandamano.
si cela était point. Les composants chimiques en soi n'avaient pas de vie. Et par conséquent, il ne pouvait pas bouger. Mais lorsque la vie entra dans les composants chimiques du sang, voilà, qui ne savent ouzima savile il y a tungwa il est damu, elle forma une cellule. Il y tunga ka chembe chembe. Forma sa propre cellule. Il y tunga ka chembe chembe yake. De la cellule sur cellule. Na ina kumba chembe chembe ula chembe chembe. Et ingine. Après cela devint un homme. Na kisha ile ikakuwa muntu. Et cet homme. Na ule muntu. Était Dieu. Alikuwa ka Mungu Emmanuel, Emmanueli dans la chair. Ndani ya mwili ya mtu. Mais kwa lakini, quand cette vie est retournée, wakati le uzima iruria, les composants chimiques sont allés là. Vile ma composante ya chimie iruria kule. Mais le signe c'est le Saint-Esprit sur l'église. Kwa lakini, alama ni Roho Mtakatifu yule wa kanisa, de telle sorte qu'il voyait Christ. Munamna kusema wa muone Kristo. Les composants chimiques sont bien bilio tungare damu ili potia. Parce que tout ce que vous mangez c'est la poussière. Nju byote bile munakuriaka ni mamvumbi. C'est retourné à la poussière. Bisha kururia wapi mamvumbi. Ce sang là n'a même pas bougé. Asima ile damu haikutenga kata kutenga. Quand la vie est sortie. Wakati tu uzima ilitoka, il est resté là sans bouger. Damu ilibakia pale bila yo kutenga. Si c'était devenu coma ou coma, kama ilikuwa je na ruria je na ruria je, ça n'a plus bougé. Haikutenga katena. Et c'est sang là. Les faux adorateurs pensent. Mais il n'y a pas la vie dedans. Et quand la vie revient à l'église, l'église peut voir Christ. Kanisa inaweza kumuona Kristo. Est-ce que vous avez vu Christ? Eti mulimuona Kristo? Parce que tu as la vie. Njoo kuna uzima. Si tu as la vie. Kama kuna uzima, tu verras Christ. Utamuona Kristo. Amina. Amina. La vie. Uzima. Voilà la perfection. Ile njo ukamilifu. Tout le long on attendait ça. Kote huku barikuwa na ungojea tu paka ile. La perfection. Ukamilifu. Bon, Hébreux chapitre 1. Waebrania sura ya kwanza. Paragraphe 100 et 101. Kifungu yake ya 100 na 101. Dans Hébreux 11. Waebrania 11. Le dernier chapitre. Ile sura yake ya mwisho. Je me suis souvent posé des questions à ce sujet. Kila mara najiulizaka kuhusu ile mambo ile. Au dernier chapitre. Kusula yake ya mwisho. La dernière partie. Sehemu yake ya mwisho. Le 11e chapitre des Hébreux. Ya sura ya 11 ya Waebrania. Quand il parle d'Abraham. Wakati anasemea kuhusu Ibrahimu. Le grand chapitre de la foi. Ile sura kubwa ya imani. À la fin il a dit. Kumwisho alisema. Ils errèrent ça et là. Barendaka huko na kule. Vêtus de peau de brebis. Baliovala ngozi ya mankondolo. Et de peau de chèvre. Na ya mambuzi. De niwe esi. Ma wingo huku deniwe esie bakabatosha mavunja wakakata na musumeno izerasa ela bari wayawaya huku na kule n'ayant pas d'endroit benye kukosa fasi wale ya bo kwenda hai benye kubakosea méprisé benye kubazarau persécuté benye kubasulubisha pour eux le monde n'est pas digne. Kwa ajili ya dunia istahili. Alors, sasa Paul Paulo s'était là. Anasimama pale. Il dit na akasema mais kwa lakini sans nous bila sheye ils ne sont pas parfaits. Abana bakamilifu. Amen. Branham explique. Branham anafasilia car eux kwani wao ils s'attendaient seulement à la croix.
Bali kwaka na ongoje ya paka tu Musalaba. Mais nous, walakini shei, nous regardons tuko natazama au travers de la croix. Kupitia musalaba. Amen. Amina. Nous avons l'esprit de Christ après que cela fut devenu une chair humaine. Tuko na roho ya Kristo kisha ile roho ku ya mwili ya mtu. Na yeye habite parmi nous. Na kuishi katikati yetu. Nous venons ici. Tunakuja hapa. Par le Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu. C'est qu'il y a une position de loin meilleure. Ile na kuja msimamo ya mzuri kabisa sana zaidi. Vous voyez la différence. Munaona chanisho. Ceux qui regardent à la croix ne sont pas parfaits. Bale boko natazama kumusalaba abana bakamilifu. Mais ceux qui regardent au travers. Voilà qui ni bale boko natazama kupitia musalaba. Après la croix. Kisha musalaba. Nous nous sommes après la croix. Che tuko kisha musalaba. C'est ça la perfection. Il est njo ou kamilifu. Non pas regarder à la croix. Aiko kutazama kumusalaba. Mais après la croix. Lakini kutazama kisha musalaba. Qu'est-ce que la croix a produit? Musalaba irizala nini? Toujours Seigneur est mort à la croix. Seigneur est mort à la croix. Bwana alikufa kumusalaba. Bwana alikufa kumusalaba. Oh. Eh. Le Seigneur est mort à la croix. Bwana alikufa kumusalaba. Non, après la croix. Hapana. Kisha musalaba. Qu'est-ce qui est arrivé? Ni nini ilifika? Qu'est-ce que la croix a produit? Musalaba irizala nini? La croix a produit? Musalaba irizala la divinité dans un autre homme. Bumungu ndani ya mtu mwingine. Sans que ça soit Jésus de Nazareth. Bila ipate kuwa ule Yesu wa kunazareti. Mais un autre. Walakini mtu mwingine. Avec la divinité. Na bumungu. Voilà ce que la croix a produit. Ile musalaba irizala. Vos prières ne l'envoyez pas à la croix. Maombi yenu mushitume kumusalaba. Ce sont des prières imparfaites. Ni maombi ile na kosa ukamilifu. Amen. Amina. S'ils étaient imparfaits. Kama balikuwaka bakukosa ukamilifu. Parce qu'ils regardaient seulement à la croix. Kwani balikuwaka natazama paka tu kumusalaba. Même si vous lisez ces jours-là sur le calvaire. Atakama munasoma ile mahubiri ile siku ku calvaire. Frère Branham enseigne. Nduku Branham anafundisha. L'impact du calvaire. Tendo ya calvaire. Qu'est-ce que le calvaire a produit? Calvaire irizala nini? Le calvaire a produit des hommes et des femmes capables de transmettre la vie éternelle. Calvaire irizala banamuke na banaume balebeko na uwezo ya kukabulana uzima ya milele. Parce que dans le et sacerdoce. Jumu kikowani kia tatu. Le travail c'est l'homme distribuant la vie à son ami. Kaji ni muntu ego na kabula uzima kwa muntu mwingine. Lorsque vous m'écoutez ce matin. Wakati mwanishikia tu asubuhi ya leo. Vous recevez la vie éternelle. Munapokea uzima ya milele. La vie éternelle. Uzima ya milele. Se transmet. Eko na igawanya. De l'homme à l'homme. Kwa kutoka kwa muntu kwenda kwa muntu mwingine. Kipa ni amen. Sema amina. Voilà. Tazama. Bon, je vais ajouter une autre citation. Mita ungeza ndiko ingine. Ça peut aider quelqu'un qui est venu peut-être aujourd'hui. Inaweza kusaidia ule muntu sangina alikuwa paka leo. Jehova Jireh 1. Yehova ire sulaki ya kwanja. 5 juillet 62. Ya le 5 juillet 62. Je pars terminer, je ne vous retiendrai pas longtemps aujourd'hui. Niko nenda kumaliza, sitte michunga wakati murefu leo. C'est ce que Lot a fait en allant en Égypte. Njokile Lot alifanyaka mkwenda mu Misri. Premièrement, il visait l'Égypte. Kwanza yari angarishisha ni paka ku Misri. Ensuite, kisha il a regardé, il a vu Sodome. Alitazama anaona Sodoma. Les anses. Ara.
Il est allé à l'est. Akaenda kwa asubuhi. Il est allé à l'est au lieu d'aller à l'ouest avec Abraham. Ariendaka kwa asubuhi pahali ya kwenda kumangalibi pamoja na Ibrahimu. Il est allé à l'est parce que c'était la voie du luxe. Il alla à l'est. Aliendaka kwa asubuhi kwani kulikuwa ni njia ya raha ndio pale aliendaka kwa asubuhi. Mais moi votre pasteur j'ai choisi de prêcher l'ouest. Kwa lakini mie mchungaji wenu nilichakula kuhubiri magharibi. Voilà pourquoi je suis impopulaire. Ndio kwa maana nishina na kavumu. L'est c'est la populaire. Asubuhi ni kavumu ni bantu. Tous les beaucoup parce pas tout parce que Dieu a des témoins bamingi aina bote baubiri bamingi du message bamujumbe ont rétrogradé comme Lot baripungukiwa muimani paka sa Loti. Ils ont choisi la voie de la facilité. Bari chakula njia ya teke teke. Là où il y a le luxe. Kule kuko maisha ya ra. Si vous prêchez l'est, kama unahubiri asubuhi, même un pentecôtiste va te soutenir. Ata mumpenta atakupikia kikelekele. C'est un message populaire. Ujumbe ya kavumu. Loti a choisi l'est. Alichakulaka kwa asubuhi. Mais moi elle rache, j'ai choisi l'ouest. Elle rache mina chakula kumangaribi. À l'ouest. Kumangaribi. Le soleil se couche. Jue na lala. Il arrive. Inafika. À la fin de sa course. Kumwisho ya njia yake. Le fils de l'homme. Ule mwana wa mutu. Se révélé à nouveau. Difunua mala ingine na ni mwisho. La citation est là. Andiko chingariki pale. Vous choisissez l'est aussi avec moi les chantres. Vous choisissez avec moi l'ouest. Muna chakula pamoja na mie kumangaribi. Vous me soutenez que je prêche toujours l'ouest. Muna niuzulia niubiri paka kumangaribi. Merci beaucoup. Muzuri zaidi. Et vous ici? Mes prédicateurs, ils sont où? Baubiri beko wapi? Vous me soutenez? Muna niuzulia? De prêcher que l'ouest? Niubiri pa kumangaribi? Merci. Aksanti. Et vous tous? Na mwe bote? Vous me soutenez? Muna niuzulia? De prêcher toujours l'ouest? Ni miubiri pa kumangaribi? Alors merci beaucoup. Muzuri aksanti kabisa. La force d'un leader c'est son peuple. Nguvu ya kiongozi ni taifa yake. Même si les autres ne m'aiment pas. Hata kama bengine banipende. Vous m'aimez. Walakini mwe munanipenda. Je vais prêcher. Taubiri. Ah. Remontez papa. Pandisha pandisha baba. Ah ba écriture Mike. Eh miandiko kiloko. C'est là que l'église njo pale kanisa a commis l'erreur. Ilifanizia nkosa. Je le dis avec révérence mes frères. Mina isema na heshima yote banduku yangu. L'église pentecôtiste. Il est kanisa ya kipentecôtiste. Aurait mieux fait. Iliweza kata kufanya mzuri. D'avoir un tambourin là-bas au coin. Ya kuwa na kangoma kule kukona. Avec des hommes et des femmes. Na banamuke na banaume. Frère, tu es rentré en 98, frère. Nuku urudia ku 98. Donnez-nous 100, voilà. Utupatie 100, nivile. C'est ce que l'église a fait aujourd'hui. Njo kile kanisa ilifanya leo. Vous voyez? Mnaona? Elle a fait marche arrière. Kanisa iruria kumukongo. En choisissant l'est, vous faites marche. Mukuchakula kwa asubuhi munaruria kumukongo. Comme je l'ai dit, paka vile nilisema, hier soir, jana mangaribi, le soleil se lève à l'est. Jua inalamukaka kwa asubuhi, et va à l'ouest. Na inaenda kumangaribi. Et les
fils de Dieu na ule mwana wa Mungu a d'abord visité l'est arianzia po kwanza kutembelea ku asubuhi puis s'en est allé à l'ouest kisha anenda ku mangaribi on a eu 2000 ans de visitation tulipata miaka 2000 ya kututembelea mais kwa lakini au temps du soir wakati wa mangaribi la lumière paraît Nuru itaonekana ati le prophète Nabi alisemaka au lieu de suivre le fils Baali ya kumufata ule mwana il retourne là où était le fils bo banaruria fwashi irikuyaka ule mwana vous voyez l'erreur munaona nkosa parce que le fils a déjà quitté l'est. Njou mwana alisha toka kwa asubuhi. Il est à l'ouest. Alisha kwenda kumangaribi. Mais le prédicateur Lot. Kwa lakini mubiri Loti. Des églises Lot. Makanisa Loti. Au lieu de suivre le fils là où il est à l'ouest. Baali ya kumufuata mwana fashi ile eko kumangaribi. Et il retourne là où le fils était. Bo banaruria fashi. Ile mwana arikuyaka aujourd'hui leo s'il vous arrive de dire quelque chose sur la guérison divine sur la prophétie sur les nerfs dans spirituel kama na kufikia kusema kitu kimoja kuhusu uponaji wa umungu unabii wala vipaji tisa ya kiroho wala kitu kimoja kia vile on dira wanaweza sema retournons voir ce que Moody avait dit tururie tuone kile Moody alisemaka ce que Sankey avait kile Sankey alisemaka ce que Knox avait dit kile Knox alisemaka ce que Calvin avait kile Calvin alisemaka ils ont vécu au jour où les fils brillaient là-bas bali ishi kushiku ile mwana alikuwaka na angaza kule nous cheye andons vers la perfection twendeni ku ukamilifu amen amina ti a ton ami suivez le fils rafiki yako fuateni Kristo ne retournez pas là où il était non. Ushirudie kule alikuwaka c'est ça Je me comprenne mal. Ni ile batu bwe na nielewa mubaya. Tout ce que j'essaie de dire aux gens. Yote leo na jaribu kuelezea abantu. Jésus n'est plus en Orient. Yesu ashina tena kuasubuhi. Il est en Occident. Eko kumangaribi. Et les coutumes sont différents. Na mabisela ilishachana. En Orient, il s'habille en robe et sandales. Kuasubuhi eko na voila matango ya Yesu na nkanjo. Mais en Occident, walakini kumangaribi. On s'habille à la veste. Eko na voila nkochi. Et la cravate. Na taya. Essaye seulement de dire. Jaribu na jaribu tu kusema. Aujourd'hui, Dieu est en cravate. Leo, Mungu alisha voila taya. Aujourd'hui, Dieu est en costume. Leo, Mungu alisha voila kazaka. Tendons vers Tuelekeeni ku ukamilifu. Ça va? Nanielewa? On va aller terminer. Tutamaliza. Laissez l'évangile de retourner à la croix, non? Mwache ile injili ya kururia kumusalaba, mwache yo. Je vais changer même certaines chansons. Tamaliza, badirisha ta mimbo ingine. Retournez à la croix, non. Arudieni kumusalaba. Ile mimbo ya vile. Traversons donc la croix. Tutambukeni musalaba. Quand nous traversons la croix. Wakati tunatambuka musalaba. Nous tendons la perfection. Tunaelekea kukamilifu. Ça va? Oui, ça va. Christ identifié dans tous les âges. Christ. Je vais te reposer un peu. D'accord. Il est même convalescent là. Merci beaucoup. N'ayez pas peur, hein? Il faut interpréter. D'accord. Moi là, c'est comme si j'ai quatre poumons maintenant. Christ. Christ.
Christ identifié dans tous les âges. Christ mwenye kujitambulisha mbizazi byote. J'ai pas terminé. Nikunaenda kumaliza. Paragraphe 42. Ayaki 42. Et si vous ne passez pas derrière la peau des blaireaux. Na kama mupite nyuma ya mangozi ya banyama. Si vous ne sortez pas de votre vieille peau. Kama auondoke ndani ya mwili yako ya zamani. De vos vieilles pensées. Kama aondoke katika mawazo ya zamani. De vos vieux credo. Utoke katika mafundisho ya zamani. Pour entrer dans la présence de Dieu. Ya kuingia katika uwepo wa Mungu. Manukta tatu. Alors, basi pale, la parole devient une réalité vivante pour vous. Neno ikuna kuya ukweli iyo ai kwa ajili yako. Alors, basi, vous êtes conscient de la gloire de la Shekinah. Uko na zamiri ya ile utukufu ya Shekinah. Alors, pale basi, la Bible devient un nouveau livre. Biblia inakuwa kitabu mpya. Alors, basi, Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ est encore moja jana, leo, et éternel. Vous vivez dans sa présence. Vous naishi katika uwepo wake. Vous mangez le pain de proposition. Uko nakula ile chakula qui est offert en ce jour-là exclusivement pour les croyants. Iye wanakabula ile siku njutu ya wamini. Exclusivement pour les sacrificateurs. Kwa ajili tu ya wakoani. Et nous sommes des sacrificateurs. Na sisi ni wakoani. Un sacerdoce royal. Ukoani ya kifalme. Une nation sainte. Taifa takatifu. Vous n'avez pas de péché. Mwe hamna na dhambi. Vous êtes une nation sainte. Nini ni taifa takatifu. Un sacerdoce royal. Ukoani ya kifalme. Un peuple particulier. Taifa ya kipekee. Offrant des sacrifices. Yeye kutoa mazabihu. Spirituel à Dieu. Ya kiroho kwa Mungu. Mais. Lakini. Il vous faut entrer. Inakutakiwa uingie. Passer derrière le voile. Upite nyuma ya pasia. Pour voir Dieu dévoilé. Dieu akona Mungu mwenye kutiliwa wazi. Et Dieu. Na Mungu. Est dévoilé. Anatiliwa peupe. C'est sa parole. Ni neno lake. Et on y manifeste. Dieu yenye kujionekanisha wazi. Kipani amen. Amen. Kipani alleluia. Unaweza sema alleluia. Hey. Que l'âme de Branham soit béni. Nafsi ya Branham ibarikiwe. Oh. Eh, hey, kile kile. Il faut quitter ce sacerdoce. Quitter ce sacerdoce. Mutokeni katika hiyo kuhani. Traverser le voile. Muvukeni le pasia. En acceptant de traverser la zone tampon qui est la peau des blaireaux. Mukuichikia kutamuka ile fwashi ya katikati yenye kuwa mangozi ya banyama. Croire à l'homme tel qu'il est. Aminia muntu gisi yeko. Pour accéder au Saint des Saints. Dieu a kuingia pari takatifu ya batakatifu. Tu dois croire à l'homme tel qu'il est. Inabidi kuaminia muntu gisi yeko. C'est des ordres. Ni marufu. Mais traverser cette zone. Lakini mufukeri le fwashi. Et le voile tombe. Il est passé à yende nyuma. Branham dit si tu ne traverses pas ce voile. Branham est connu comme kama ufuke i pasia. Tu ne vas pas contempler Dieu dévoilé. Ausamtazama Mungu mwenye kutiliwa peupe. Parce que dans les saints des saints. Kwani pali takatifu zaidi. C'est Dieu dévoilé. Inakuwa ni Mungu mwenye kutiliwa wazi. Hey. Dieu est dévoilé. Mungu anatiliwa peupe. Vous contemplez la Shekinah. Mungu natazama ile Shekinah. Vous voyez Dieu dévoilé. Na Mungu naona Mungu mwenye kutiliwa peupe. Dieu. Mungu regarde Dieu. Mwenye kuangalia Mungu. Parce que il est dévoilé. Kwani anatiliwa peupe. Mais il faut que vos pensées meurent. Mwe inabidi mafikiri yenu ikufwe. Il faut que votre théologie meure. Inabidi teolojia yako ikufwe. Entrez derrière le voile. Ingieni nyuma ya pasia. Pour être dévoilé. Ndio akona Mungu mwenye kutiliwa wazi. Où est Dieu? Mungu eko wapi?
comme vous êtes là, où est Dieu? Vous voyez Dieu? Moi je vois Dieu. Dieu est dévoilé. Mungu anatiliwa peupe. Tu peux parler à ton frère que je change ton problème. Unaweza kuelezea ndugu yako asema mimi naweza kubadilisha mambo yako. Et s'il croit à la peau de blaireau, na kama yeye yanaaminia ile ngozi ya banyama, ça va arriver. Itatimizika. Parce que la difficulté c'est la peau des blaireaux. Kwani matatizo hapa ni ile ngozi ya banyama. La zone tampon. Ile fwashi ya katikati. Pour voir la shekina. Juu ya kuona ile shekina. Le Dieu dévoilé. Na Mungu mwenye kutiliwa peupe. Prenons ce qu'on a caché dimanche. Vendredi. On va finir quelque chose. Tutamalizia kitu fulani. Les 6 buts. Ile mifukuzio sita. Parce que nous sommes dans le sang des saints. Kwani tunakuwa pale takatifu zaidi. Et le sang des saints ce n'est pas Jésus. Na ule mtakatifu wa watakatifu haiko Yesu. Le sang des saints ce n'est pas Jésus. Ule mtakatifu wa watakatifu haiko Yesu. Jésus était déjà à Rouen. Yesu alikuwa shapakaliwaka. Ah, les 6 buts. 115. Bifukuzio 6 115. 116. 118. 125. 125. Sans cesse. Sasa. Pour rendre les saints des saints. Njia kupaka mtakatifu wa watakatifu. Ah, parce que les saints des saints doivent être one. Kwani mtakatifu wa watakatifu anapasha pakaliwa. C'est sacerdoce. Ni ukoani. C'est sacerdoce. Ni ukoani. De Melchisedek. Ya Melchisedek. A besoin de l'onction. Inahitaji upako. Et le Melchisedek, j'ai cherché en hébreu, on l'appelait le Kohen. Na Melchisedek nilitafuta mki Yunani balikuwa namuita ule Kohen. Ouais. Le Kohen. Ule Kohen. Le Kohen. Ule le Kohen. La Bible nous dit. Biblia iko natuelezea. Il est sacrificateur éternel. Yeye ni mkohani wa milele. Amen. Amen. Ah, il a ici il faut l'onction. Nikusema hapa kuna anakuwa na upako. Le sacerdoce de Melchisedek. Ukohani ya Melchisedeki. Ewa. Inapakaliwa. Dieu devait rendre le saint. Mungu alipasha pakala ule mtakatifu wa watakatifu. Maintenant, sasa pour rendre juu ya le saint, juu ya pakala mafuta ule mtakatifu wa watakatifu. Mimi napenda kusema sasa, va peut-être paraître un peu étrange pendant un instant. Sa moja itaonekana saa kigeni mwakati kidogo. Pour beaucoup d'entre vous enseignants. Juu ya walimu mingi katikati yenu. Gardez cela un petit instant. Mwichunge muda kidogo. Voyons ce que ça va être. Moneni ile italeta. Le saint des saints ça rend difficile les enseignants. Ule mtakatifu wa watakatifu inakuwa na vuruka walimu. Il s'agit ici de wandre. Apa inaangalia mambo ya kupaka mafuta. Non pas un homme. Aili ko mtu moja. Jésus a déjà wandre. Yesu anaisha pakaliwa. Pas vrai? Si hivyo. Dans le livre des actes il est dit que katika kitabu wa matendo inamesemewa kama Dieu a wandre Jésus du Saint-Esprit. Mungu alipaka Yesu na Roho Mtakatifu. Et qu'il alla de lieu en lieu. Alikuwa anaenda kutoka fuashi paka ingine. Mwenye kutenda mema. Guérissant les malades. Mwenye kuponesha wagonjwa. Ainsi de suite. Na kadhalika. Jésus est déjà. Yesu anesha ku. Il est le Messie. Yeye ni Masia. Et le Messie veut dire loin. Na ule Masia inamaanisha mpakaliwa. Ave? Si hivyo. Mais. Lakini. Ici. Hapa. Au temps de la fin. Wakati ya mwisho. Il doit wendre. Anapasha paka mafuta. Le Saint des Saints. Ule mtakatifu wa watakatifu. Non, le Saint des Saints ce n'est pas Jésus. Nikusema mtakatifu wa watakatifu haiko Yesu. Et il est loin ici au temps de la fin. Na yeye anapakaliwa huku wakati ya mwisho. Le saint des saints, qu'est-ce que c'est? Ule mtakatifu wa watakatifu ni nini? À mon avis. Kufuatana na mafikiri yangu. Je crois que je peux le prouver par les écritures. Nadhani amezi kuyahakikisha na maandiko. Wanga le saint des saints. Kupaka mafuta ule mtakatifu wa watakatifu. Ça sera le tabernacle. Itakuwa ni maskani. Qui sera utilisé. Ile yenyewe itatumikishwa. Pendant le millénium. Wakati ya millénium.
Dis à ton ami, avale tout simplement. Dis-lui, avale tout simplement. Parce que Branham a déjà parlé. Kwani, Branham a déjà sema. Le tabernacle du millénium. Il est maskani ya utawala miaka elfu. C'est le saint des saints qui doit être loin ici au temps de la fin. Je ule mtakatifu wa mtakatifu mwenyewe anapasha pakaliwa mwi wakati ya mwisho. Jésus était déjà loin. Yesu alikuwa shapakaliwa tayari. Le tabernacle du millénium, ce n'est pas Jésus. Il est maskani ya millénium haiko Yesu. Parce que Jésus était déjà loin. Kwani Yesu alikuwa shapakaliwa mafuta. Pasteur, vous voulez dire? Pasteur, napenda kusema. Je ne vais rien dire. Mishi na kia kusema. Je suis en train de lire. Niko mukusoma ndugu Branham. Je ne vais rien dire moi. Mishi pende kuseme ya mokitu mie. Je lis frère Branham. Niko nasoma njo ndugu Branham. Il est le saint de saints. Eko nasema mtakatifu wa watakatifu. Qui est loin ici au temps de la fin. Mwenye kupakaliwa huku wakati ya mwisho. C'est le tabernacle. Ni maskani. Qui sera utilisé. Ile nyewe itatumikie. Et les écritures que Frère Branham donne, c'est Ézéchiel 43. Nous avons lu Ézéchiel 43 vendredi. Turisoma Ézéchiel 43 mkazitano. Où le prophète Ézéchiel dit cette vision qui c'est pareil à la vision de Kebar. Vole kunye misemeo ya kusema hii onyo inafuanana na ile onyo ya Kebar. Et la vision de la destruction. Na ile onyo ya kuharibu. Oh, la vision de Kebar. Japo ile onyo ya Kebar. C'est la vision du trône un homme chauve. Inakuwa ni onyo ya kiti ya enzi mtu akipara. Et la vision de la destruction. Na ile onyo ya kuharibu. C'est le septième ange portant la l'écriture à la ceinture qui dit stop au coronavirus. Ni ule malaika wa saba mwenye kuvuala yandiko kukifua mwenye kusema msimamisheni vita coronavirus. Ile coronavirus. Parce que l'ange qui arrête coronavirus c'est frère Branham. Kwani ule malaika wa udongo ni William Branham. L'ange. Ule malaika qui stop. Mwenye kushimamisha le coronavirus. Ile coronavirus c'est frère Branham. Ni ndugu Branham. Qui peut dire amen? Amen. Parce que coronavirus c'est des fléaux. Kwani le musemo coronavirus ni mapiko dans les six anges. Ndani ya bizazi sita. Les six anges avec les instruments de destruction. Et ile bizazi sita malaika. Bale malaika sita na vyombo vya kuharibu. Branham le septième leur dit stop. Na Branham wa saba ayo na bashimamisha. Il dit j'ai un boulot. Asema niko na kazi de sceller. Ya kuchapa. Parce que c'est moi. Kwani ni mie distributeur de la vie. Jo mwenye kugawanya uzima. Arrêtez d'abord. Musimamisheni kwanza. Je dois. Mie na pacha kutia miuri. Amen. Amen. Frère Branham arrête les fléaux. Ndugu Branham eko na shimamisha mapiko. C'est la même vision. Ni onyo moja moja. L'homme de Kebar. Mutu wa Kebar. L'homme de stop. Mutu wa kushimamisha. C'est de lui qu'on parle dans Ézéchiel 43. Ni yeye ndio anasemezea mu Ézéchiel 43. Or Ézéchiel 43. Japo Ézéchiel 43. C'est l'écriture qui soutient frère Branham pour le tabernacle du millénium. Ndio ile andiko yeye kuzuria ndugu Branham juu ile maskani ya millénium. Donc le tabernacle du millénium, c'est le saint des saints qui est loin. Manake ile maskani ya millénium ni mtakatifu wa watakatifu ndio mwenye upakaliwa mafuta. Qui peut dire amen? Amen. Et je vous dis que le saint des saints est déjà loin. Na nilimeletea asema ule mtakatifu wa watakatifu anesha pakaliwa. Comme dans le troisième sacerdoce, c'est tout un peuple. Sa vile katika ukoani ya tatu ni taifa mzima. Mais Dieu commence avec la gerbe agitée. Sasa Mungu anaanzia hapo na malimbuko iliyotigizwa. Le grand frère. Na mkaka.
Vous voyez la colonne de feu sur sa tête? C'est l'onction. C'est l'onction sur les saints des saints. Les saints des saints est déjà Il est la gerbe agitée. Il est dit que pour que toi, si tu vois, il tient dévoilé. Il faut passer par la peau de blaireau. Dès que tu acceptes que la colonne de feu a déjà oué Brana, à cet instant même, toi aussi tu y es oué. Qui peut dire amen? Amen. Yes. Nio. Parce que Kwani? Dans ce royaume-là, Daniel est au falme de l'onction. Il y a upako. C'est Dieu qui oint Dieu. Ni mungu je moye upaka mafuta mungu. Oh Dieu, mungu. Ton Dieu t'a oint. Mungu wako iko moye upaka mafuta. Dieu nous ouine de joie. Na mafuta ya fura. Au dessus de tes égaux. Yulu ya benjako ba mkipimo yako. Amen. Yes. Dio. Le saint des saints. Ule mtakatifu wa matakatifu. Tabernacle du millénaire. Il est maskani ya utawala miaka elfu. C'est frère Branham. Ni ndugu Branham. C'est El Rash. Ni El Rash. C'est mon frère. Ni ndugu yangu. C'est ma soeur. Ni dada yangu. Nous sommes. Si tu y go. Le tabernacle. Il est maskani. Du millénaire. Il y a millénaire. Là où Elohim. Ule kunyewe Elohim. Assis sur son trône, mwenye kuikala pakichi ya enzi, entouré, mwenye kujungulukwa, de ses sujets Elohim, na bantu yake ba Elohim, Elohim, ba Elohim, entouré des Elohim, Elohim mwenye kujungulukwa na ba Elohim, c'est ça le millénium, il est Dieu millénium, qui peut dire alléluia, alléluia, hey, my God, hey, hey. Hey! Hey! Oh Seigneur! Eh hey, Buana! Aide-les à comprendre. Va saidie, va elewe. 125. Mia Ishlina Tano. Dieu est entré dans le sanctuaire. Mungu eko mwenye kuingia ndani ya hekalu. Qui devait être loin. Il est nyeo ilipasha pakaliwa. Qui lui avait été remis. Il mupewa pour que les gens viennent adorer. Jubatu bakuye kwa budu. Non pas pour rendre ton lieu saint. Aiko pali takatifu. Non pas pour rendre ton lieu saint. Aiko njua paka mafuta ile pali takatifu. Mais pour rendre le saint des saints. Lakini njua kupaka ule mtakatifu wa watakatifu. Nous voyons que tukunaona kama la nouvelle Jérusalem. Jérusalem mupia. C'est le saint des saints. Ni saint des saints. Ni patakatifu zaidi. Amen. Amen. La nouvelle Jérusalem mupia. Et l'onction na upako sera itakuwa sur la nouvelle Jérusalem. Yulu ya Yerusalem mpya qui descend du ciel wenye kushuka kutoka mbinguni auprès de Dieu kwa upande wa Mungu préparé wenye kujitayarisha kama vile bibi wa harusi wenye kujitayarisha pour son époux juu ya bwanake harusi. Écoutez maintenant Branham. Na sikilizeni sasa l'onction sera sur eux. L'onction sera sur eux. Saluez la nouvelle Jérusalem. Salimia Jérusalem amupia. La nouvelle Jérusalem. Jérusalem amupia. L'onction sera upako itakuya sur eux. Yabo. Mais l'onction commence d'abord. Lakini upako yonanzi hapo kwanza. Par une personne. Yulu ya mtu mmoja. Si vous reconnaissez les pots de bléo. Kama mnatambua ile mangozi ya banyama. L'onction sera sur eux. Pale basi upako itakuwa juu yao. Alors reçois l'onction. Basi pokea upako.
pas l'émotion. Mais l'onction. Lakini upako. L'onction c'est la vie. Upako ni uzima. C'est l'onction qui peut t'amener à déclarer. Ni upako ndio itakufikisha utamke. Et la chose va arriver. Na ile kitu tatimizika. L'onction, l'onction. Il est upako. C'est une personne. Ni muntu. Reçois l'onction. Pokea upako. Reçois la vie. Pokea uzima. Soyez ouin. Mupakaliwe. Soyez ouin. Mupakaliwe. Soyez ouin. Mupakaliwe. Les saints des saints. Les saints des saints. La nouvelle Jérusalem. Jérusalem amupia. Assoyez-vous un peu, je termine. Mwikaleni kiloko nimalize. Je ne lirai pas beaucoup. Chita soma mingi. Quand Zorobabel a fait la dédicace. Wakati Zorobabel a rifanya dédicace. De son temple. Ya ekalu yake. Il n'a pas été loin de nouveau. Yeye kupakaliwa yake malatena. Parce qu'il avait déjà été loin. Kwani alikuwa shapakaliwa katayari. Il avait été démoli. Ilipomonewaka. Il avait été rétabli. Ilijengiwaka tena. La destruction l'avait atteint. Ile kupomonewa kulimshika. Il a été relevé. Yo ilijengululwa tena. Il n'y avait plus à loindre à nouveau. Akuake tena mambo ya kumpakala tena. Ce qui est loin est déjà loin. Ile inesha pakaliwa. Jésus était déjà loin. Yesu alikuwa mwenye kupakaliwa tayari. Fini. Ilikuwa chamalizika. Mais les saints des saints. Sasa mtakatifu watakatifu. Branham dit. Branham iko nasema. Dans la 70e semaine de Daniel. Katika ile wiki ya sabini ya Danieli. Je saute certaines choses que je reviendrai. Niko naruka vitu vingine pale penye nitarudiria. Il dit au paragraphe 48. Iko nasema 40 aya ya 48. Nous voyons que ce 6e but rendre les saints des saints. Tunaona kusema kivuzio ya 6 kupakala mtakatifu watakatifu. Le saint des saints. Ule mtakatifu watakatifu. A toujours représenté l'église avec grand E. Anikalaka na wakilisha kila mara kanisa na herufi kubwa. Ce n'est pas Jésus. Aiko Yesu. C'est l'église. Ni kanisa. Et l'église c'est d'abord frère Branham. Na kanisa ni kwanza ndugu Branham. Amen. Amen. Le saint des saints ce n'est pas Jésus. Mutakatifu batakatifu aiko Yesu. C'est Branham. Ni Branham. C'est moi. Ni miye. C'est toi. Ni weye. C'est elle. Ni yeye. C'est lui. Ni yeye. Mais ça va être toi si tu reconnais la peau des blaireaux. Lakini itakuwa weye ni kama unatambua ile ngozi ya banyama. C'est clair, hein? Alors en pénétrant dans le saint des saints, nikusema ingia sasa pale takatifu zaidi. Melchisedek devient vous. Melchisedek anakuwa weye. La théophanie. Ile théophania. Et Branham dit vous n'êtes pas une créature du temps. Na Branham kunasema hauna kiumbe kia muda. Semence du serpent. Mbeko ya nyoka. Paragraphe 82. Ayaki ya 82. J'aimerais vous poser une question. Napenda kumiswali swali moja. De qui est-il question dans Job 27? Mambo ya Ayubu makumi mbili na saba inangara nani? Quand il a dit où étais-tu quand je fondais la terre? Wakati alisema ulikuwa wapi wakati nilikuwa natunga udongo? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Ni wakati manyota ya asubuhi ilikuwa na kimba na mingo ya furaha. Les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Na watoto wa Mungu walikuwa na kilalamika malalamiko ya furaha. Qui était ces fils de Dieu qui poussaient des cris de joie? Walikuwa ni wanani hao watoto wa Mungu wenyewe walikuwa na lalamika malalamiko ya furaha? Jésus leur a dit. Yesu aliwa je me réjouissais avec vous. Nilikuwa na furahi pamoja nanyi. Avant la fondation du monde. Misingi ya dunia. Nous ne sommes pas des créatures du temps. Hatuna viumbe vya muda. Nous sommes des créatures de l'éternité. Sisi ni viumbe vya umilele. Salimia éternel. Salimia wa milele. Éternel. Mweleze kama uko wa milele. Parce que Melchisedek. Kwani Melchisedek. El sacrificateur. Yeye ni mkoani. A perpetuité. Kwa daima. Alors tu es éternel. Basi uko wa milele. Hey.
Amen. Nous sommes éternels. On n'est pas les créatures du temps. Parce que nous avons rejoint la théophanie. Nous avons rejoint la théophanie. Et la personne qui est ici, na huyu mtu mwenye kwa humu, il est particulier. Yeye ni wa kipekee. Particulier. Wa kipekee. Il n'est pas dans tu ne le vois pas dans des mouvements. Ah, où ça mona mandamano. Tu ne le vois pas dans les choses inutiles. Ah, où ça mona mubiti ya shpomana. Les inutilités sont abolies. Kwani kwa ajili yake bia shpomana biote binesha vunjiwa. Ce qui compte pour lui c'est la parole. Bien kwa bia mana kwa ajili yake ni neno. Ce qui compte pour lui c'est la divinité. Bia mana kwa ajili yake ni umungu. Parce que lakini, avec le changement des sacerdotes, na mabadiriko ya ukoani, c'est l'abolition des ordonnances antérieures. Ni kuvunja kwa maamri ya zamani. À cause de leur impuissance, kwa ajili ya ukosefu ya uwezo yao. De leur inutilité, na ukosefu ya mana yao. L'homme à l'intérieur, ule mtu wa ndani, dans le sein des saints, mufashi takatifu zaidi, il n'est pas inutile. Yeye ashina wa kukosa mana. Il n'est pas impuissant. Yeye ashina wa kukosa uwezo. Parce qu'il a atteint la perfection. Kwani ameshafikia ukamilifu. Il est utile. Yeye ni wa maana. Il est puissant. Eko wa uwezo. Avec l'ordre de Melchisedek. Na ile mpango ya Melchisedeki. Soyez devenu utile. Mweye mkuwe wa maana. Si tu étais inutile, deviens utile. Kama uko yake na maana, kwa basi la maana. Il y a une onction. Kuna kwa upako. Il descend sur toi. Yeye kushuka juu yako. Si yewe. Uko mwenye kupakaliwa. Si deviens utile. Na unakuwa wa maana. Ces choses. Hivi vitu. Crée même l'intelligence. Biko na umba ata akili ya kilo. Si la science a amené l'intelligence artificielle. Kama elimu ilileta akili ya kujitungia. La divinité. Ile umungu. Amène l'intelligence surnaturelle. Biko na leta akili ya juu zaidi. Je te dis. Nima inamaanisha étonnez même vos professeurs. Na utakuwa na mwenye bitu. Étonnez vos professeurs. Wewe shangaisha walimu yako. Jete la corde. Inakuwa ni une intelligence surnaturelle. Akili ya juu zaidi. À l'ordre de Melchisedek. Kufuatana na mpango ya Melchisedek. Là où tu travailles. Ile fuashi unatumika. Soyez particulier. Kuwa wa kipekee. Soyez différent. Kuwa wa kuachana. Hey hey hey. Bon, basse. Je lis seulement une citation. Et je vous laisse. Parce que si vous me suivez, on ira jusqu'à 20h. Je lis une citation, je vous laisse. Je voulais toujours dire, mais je dois lire. J'ai toujours dit ça. Nila semaka kila mara, mais je dois lire. Lakini minapasha wisoma. Pour que vous ayez la pensée, bon voilà, beaucoup de choses sont restées. On a encore mafikiri, lakini bitu mingi vinabakia. Venez mercredi. L'âge d'Ephèse. Kizazi ya Efeso. 264. Miambiri stini na ine. Maintenant, observez ce que nous avons eu. Sasa mwangalieni ile tulipata. Regardez donc. Mwangalieni basi. Où le soleil se lève-t-il? Yua inalamukiaga ngambo kani? Géographiquement à l'est. Kufuatana na géographie inalamukaga kwa asubuhi. Et c'est juste. Eti ni vile. Il se couche à l'ouest. Na inakuwaka na lala kwa magharibi. J'aurais voulu avoir. Ase nilipenda nikuye. Bon, j'apporterai la carte. Lakini nitaleta tu map. Demain. Et je vous montrerai. Lorsque le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, ces traces, ces traces ont formé un oui parfait. Amen. Amen. Il a directement traversé montagne jusqu'en Irlande. Il vuka mukwenda paka Irlande. Puis il est revenu droit en arrière. Na il rudia Angleterre. Faisant un contour. Na il jungluka. Il a directement traversé. Puis il est venu à la côte ouest. Il vuka kisha il rudia kupembe ya asubuhi. Pour redescendre de nouveau. Juu ya kushuka mara tena. Un oui
parfait. Ilikuwa ni mnane ya kukamilika. Le parcours suivi par l'évangile. Ile njia yenyewe injili ilifuata. Maintenant, sasa la civilisation a voyagé avec le soleil. Usilimu ilisafiri pamoja na jua. Combien savent cela? Mnaona ile? On vous a appris, vous le savez bien. Bali mifundisha hayo mnaijua mzuri. La plus ancienne civilisation que nous avons c'est la Chine. Usilimu ya zamani zaidi yetu unayo ni China. De là elle a parcouru. Na ilitembelea kule kwa asubuhi. Lorsque le Saint-Esprit non pas le soleil. Ni Roho Mtakatifu haiko jua. L'évangile, injili a fait la trace de l'évangile. A fait un oui parfait. Ile nyao ya injili ilichapa mnane ya kukamilika. L'évangile a quitté Jérusalem. Injili ilitoka Yerusalema. À l'est. Kwa asubuhi. Il est monté. Ilipanda. À l'ouest, au nord. Ilipanda kaskazini. Pour arriver à l'ouest. Ya kufika ku magharibi. Et en retournant, na mukurudia, il doit descendre pour faire un oui parfait. Inapasha tena kushuka njoo kutunga mnane kamilifu. C'est un mystère. Hii ni siri. L'évangile quitte l'est. Injili kunatoka kwa asubuhi. Ça c'est l'analyse de Frère Branham. Il dit les traces de l'évangile donnent un oui parfait. Ini upekuzi ya ndugu Branham unasema nyao ya injili kuna toa mnane yakamilika. Là c'est l'ouest. Huko ni ku magharibi. Là-bas c'est le nord. Kule ni ku kaskazini. Et là c'est le sud. Na huko ni kusini. L'évangile a quitté l'est. Injili ilitoka kwa asubuhi. Avec la mission d'aller à l'ouest. Yenye kwa na kazi ya kufika paka kumangaribi. En passant par le nord. Mukupitia kukaskazini. Et tous les messagers étaient nordistes. Na wajumbe wote walikuwa natokea kukaskazini. C'est-à-dire les Européens. Ni kusema walikuwa watu wa Bulaya. Quand l'évangile quitte Jérusalem, il passe par l'Europe. Wakati injili natoka Yerusalem, iko napitia kubulaya. Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley. Tous ces sont des Européens. Waouh, wote ni watu wa kaskazini wa Bulaya. Les nordistes. Ni watu wa kaskazini. Et l'évangile quitte le nord pour l'Amérique. Na injili natoka kaskazini na inenda kumarekani. Et Frère Branham me dit que il doit descendre pour faire le oui parfait. Inapasha kushuka njua kutunga ile mnane kamlifu. Il ne retourne plus à Jérusalem par le nord. Airudia tena ku Yerusalema mukupitia kaskazini. Il passe par le sud qui est l'Afrique. Lakini kuna pitia kusini yenye kwa Afrika. L'évangile pour retourner à Jérusalem doit obligatoirement, nécessairement passer par l'Afrique. Ni kusema injili njoo kurudia kwa asubuhi inapasha kwa malazimisho kupitia kwa Afrika. Pour faire le oui parfait. Dieu a kutunga ile mnane kamlifu. Et le vendredi. Na mkazitano. Je voulais lui Frère Branham dire que mon ministère en Afrique n'est pas terminé. Nilimisomea ndugu Branham kusema huduma yangu kule Afrika haimalizike. Vous voyez maintenant la continuité. Munaona sasa mfululizo. Donc quand ça quitte l'Amérique pour retourner à Jérusalem, ça passe en Afrique. Ni kusema wakati kunatoka magharibi njoo kurudia kwa asubuhi na kupitia kwa Afrika. Ce programme de Dieu. Ndugu Branham alijua hii mapo ya Mungu. Parce que ça doit donner un oui parfait. Kwani napasha kutunga mnane kamilifu. Voilà pourquoi il dit je vais revenir en Afrique au travers Dieu
pour prêcher encore les Africains. Je m'en ai connaissé, m'entarudiria tena ku Afrika, kupiti ya Mungu njia kubiri wa Afrika. On a lu ça vendredi, hein? Turi isoma mkazitano. Il dit, au travers Dieu. Asema kupiti ya Mungu. Je vais encore prêcher les Africains. Nita ubiri tena wa Afrika. Et il est en train de le faire. Na eko mkuitimiza. Au travers Dieu. Kupiti ya Mungu. Au travers la divinité. Kupitia umungu. Alors frère Branham me dit, je chevaucherai encore à nouveau na, ces sentiers. Na ndugu wangu nasema nitatembelea tena pae mkoba yule ya Frasi. Donc je retournerai en Afrique. Nikusema nitarudia tena Afrika. Bon, il y a pas assez de temps, on va continuer mercredi. Ah, tuna na wakati tena mingi tutaendelea mkazi tatu. Laisse-moi lire quelque chose rapidement. Un seul. Wache nisome kitu moja moja tu. La reine de Seba. Ole Malkia wa Seba. 21-22. Ishilina moja, ishilina mbiri. Hier soir, je n'avais pas l'intention. Bon, c'est discernement. Yana, jana mangari shikwe na. Ça m'affaiblit. Ile kufafanua kuna nchokesha. Cela me dérange un peu. Ile na kuwaka na nisumbua kidoko. J'ai un mois plein de réunions. Mina kwa na mwezi mzima. Quand j'ai quitté après cet appel à l'hôtel, le Saint-Esprit est descendu. Wakati nilikuwa kule pembeni ya hotel Rome takatifu alishuka. J'ai observé la salle. Niliangalia ukumbi. Cette lumière est allée là. Hii nuru ilienda kule. D'une personne à l'autre. Kutoka mtu paka mwingine. Voyez, quelque chose était sur le point d'arriver. Naona kuna kwa kitu fulani kilipasha kufika. C'est Christ entrant dans la présence des gens. Ni Kristo mwenye kuingia katika uwepo ya watu. Afin qu'il sache qu'il n'est pas mort. Juba juu asema yeye ashikufwe. Mais qu'il est vivant au siècle des siècles. Lakini yeko mzima makarne na makarne. Il est vivant. Yeko mzima. En tant que vous savez que celui qui a écrit la parole. Mvile mshakujua sasa yeye ndio aliandika neno. Il a donné la promesse. Alileta malako. Il est vivant ici parmi vous. Yeko mzima hivi sasa miongoni mwenu. Il est tout aussi réel. Yeko wa ukweli sana zaidi. Que sa promesse. Mpa qu'il était quand il existait jadis wakati alikuyaka kwa zamani c'est fait de lui le même hier aujourd'hui et éternel il est nafanya apate kwa moja jana leo na milele. Or, japo les Américains ont été enseignés de diverses manières wa Amerika bali wafundisha manamna ya kwa jana c'est ce qui rend la chose difficile ni ile njo inafaa kitu kikwe kigumu aller en Afrique aller en Afrique mwendeni Afrika. Au Congo belge. Kule Congo belge. Au Tanganyika. Kule Tanganyika. N'importe où vous allez. Vous voyez yote nye mtaenda. Dans l'un de ces pays. Moja katikati ya ile maisi. Ils n'ont pas été endoctrinés de diverses choses. Bo, haba kubafundishe bitu mingi. Je vous donne seulement les flashs. Parce que vous devez comprendre l'ordre du nouveau sacerdoce. Où est-ce que Dieu agit? Où est-ce qu'il y a les réveils? Qui peut dire amen? Amen. Il dit ce discernement. Et Christ lui-même dans la chair. Mais les Américains ne voient pas. Lakini wa America baone. Ils rejettent la chose. Eko na katala ile kitu. Parce qu'ils sont mal endoctrinés. Wani bali wafundisha mbaya. Il dit, mais allez avec cette chose en Afrique. Eko nasema mwendeni na miuri saba kwa Afrika. Il précise au Congo belge. Na natakatisha sema kule Congo belge. Il va loin au Tanganyika. Anenda mbari ase kule Tanganyika. Et pendant que Branham c'était Tanganyika, c'était une seule province, c'était Katanga. Na ile wakati Branham alikuwa na taya Tanganyika ilikuwa ni jimbo moja ilikuwa ni Katanga. Frère Branham, Nduku Branham a vu les jeunes Ariona Bijana qui comprendront les choses. Beye bataelewa bitu. En Afrique, Mwafrika. Au Congo, Kumukongo. A Katanga, Mukatanga. En train de dévoiler ces choses. Beko na funua hivi bitu. Qui peut dire alléluia? Alléluia. Qui peut dire amen? Amen. Le programme de Dieu. Mapo ya Mungu. Pour la délivrance totale. Dieu ya ukombozi kamilifu. C'est Dieu quittant l'Amérique faisant un saut en Afrique. Ilikuwa ni kutoka Marekani na kupitia mu Afrika. Dieu. Mungu. Fait un saut en Afrique. Eko napitia mu Afrika. Pastor Rush.
Pasteur H, tu veux dire que tu es le seul. On a peine à recevoir ce goût épéqué. Dieu n'agit pas comme ça. Mungu ashtenda kevile. Je ne peux pas être le seul. Mishuezi kwa mule moja. Le seul c'était Frère Branham. Moja alikuwa ni ndugu Branham. Après le départ de Frère Branham, kisha kwenda kwa ndugu Branham, Dieu n'utilisera pas une seule personne. Mungu ashitatumikisha mtu moja pana. Il aura les gens atakuwa na watu dans sa main. Mkononi mwake. Pour accomplir cette prophétie. Dieu a kutimiza hii unabii. Mes amis, barafiki yangu, le réveil du message est en Afrique. Amko ya ujumbe iko Afrika. Et maintenant ça balaye au Katanga. Na hivi sasa inakuwa ni Katanga. Ça secoue Katanga. Inakuwa na tigiza Katanga. Parce que Branham a vita. Ile Branham aronaka Tanganyika. Kipa ni amen. Na atasema amen. Kipa ni haleluya. Na atasema haleluya. Je clôture. Nikuna maliza. A te montrer que moku kuonesha sema la voix de Frère Branham, imani ya ndugu Branham, la voix, sauti ya ndugu Branham, que les gens essayent de taire. Ba ile bantu bena pima kunyamanshisha. Dieu bénisse Joseph Branham. Mungu abariki Joseph Branham. Il a accompli une partie de la vision. Ege mwenye kutimiza sehemu ya onyo. De faire en sorte que les gens écoutent. C'est une partie de la vision. Il est quoi ni sehemu ya onyo. Mais ce n'est pas tout. Lakini ya malizika ina yote. L'autre partie. Il est sehemu ingine. C'est des gens ni batu qui doivent expliquer. Bale benye banapaja kufasilia les visions. Ibi iba onyo les prophéties maunabi Branham dit lorsque elles vont les dire wakati wao wataitamka c'est alors que vous allez comprendre ni pale basi ndio mtaelewa. Bon, laisse-moi lire seulement ça, la mwache, dernière mwache tu la dernière ya mwisho la dernière ya mwisho. On va continuer mercredi. Taendelesha mkazi tatu. Dans la prédication voir Dieu. Katika mahubiri kuona Mungu. Paragraphe 16. Aya yake ya 16. Beaucoup d'entre vous. Ba mingi katikati yenu. Ont entendu parler de Joseph. Barisikia unasemezea Joseph, n'est-ce pas? Si hivyo. Dernièrement. Nyuma hapa. Les Africains. Wana Afrika. Lui ont envoyé un manteau à plusieurs couleurs. Barimtumia bushuti ya marangi mingi. Frère, Duku. Un messager ne raconte pas les biracontars. Mujumbe ashikwage na fasilia tu bya kufasilia ovyo. Il ne dit pas les choses pour les dire. Ye ashisema ke tu bintu njo kusema tu. Qu'est-ce que la robe à sept couleurs que les Africains ont envoyée à Joseph ont à voir avec le message pour que Branham le dise? Inkanjo marangi saba ile wana Afrika walitumia Joseph inaangalia ujumbe munini njo Branham aiseme. Et pourtant japo quand Frère Branham explique la robe de Joseph, il dit c'est la divinité. Wakati il dit Branham, c'est l'onction. Wakati nubana na fasilia ile nkanjo ya Joseph unasema tena upako ni umungu. Parce que les sept couleurs, ce sont les sept vertus de l'arc-en-ciel. Kwani ile marangi inakuwa mafadhili saba ya upinde wa mvua. C'est les parties de la divinité. Inakuwa ni sehemu ya umungu. L'onction est en Afrique. Manake upako uko ndani ya Afrika. L'onction de comprendre mieux Frère Branham se trouve en Afrique. Upako ya kumuelewa mzuri ndugu Branham iko mu Afrika. Et Joseph. Na Joseph doit être en contact avec les Africains. Anapaja kwa mumambatano na wanafrika. Pour l'autre partie de la chose. Dieu a sehemu ingine ya ile kitu. Les Africains qui partent là-bas, ce sont des flatteurs. Bale bengine benasema kule ni batu. Les Africains qui partent là-bas. Wanafrika wale weko nenda kule ni bakubembelesha tu. Ils partent soutenir Joseph seulement avec l'autre partie. Beko nenda kumuzuria Joseph paka na sehemu moja. Ils ne lui disent pas l'autre partie. Aba mueleze sehemu ingine. Or l'autre partie. Japo sehemu ingine. C'est ce qui donne la foi de l'enlèvement. Ni ile ndio unaleta imani ya kunyakuliwa. Parce que si tu ne comprends pas. Kwani kama uelewe. Tu n'auras pas la foi. Hausa pata imani. C'est-à-dire le ministère de Joseph. Manake huduma ya Joseph. Est dans la prophétie. Inakuwa ndani ya unabii. Avec le ministère de jeunes gens. Pamoja na huduma na
ya bijana. Et ces jeunes gens, je précise. Na bile bijana, ni kuna sema waziwazi. Ils sont les Africains. Beko ni bana Afrika. Voilà ce qui reste. Oneni ile nabakia. On va approfondir beaucoup de choses dans la semaine. Tutachimba bitu mingi kupitia wiki. Dieu, Mungu, faisant escale en Afrique. Mwenye kupitia mu Afrika. Un blanc n'a rien à nous dire. Muzungu ana na kia kutuelezea. Par rapport au message. Kuhusu mambo inangara ujumbe. Nous connaissons le message. Jie tunajua ujumbe. Plus que les gens qui ont marché avec Frère Branham. Kushindia batu bale benye bali tembeaka na ndugu Branham. Ce sont nos frères. Bale ni banduku yetu. Mais ils doivent s'asseoir. Lakini wanapasha ikala. Et nous écouter prêcher. Jie kutusikiliza tu na ubiri. Parce que Frère Branham a dit. Wani ndugu Branham yuko mwenye kusema. Les missionnaires vont venir de l'Afrique. Babitume watatokea Afrika. Ils vont vous prêcher. Et vous serez étonné. Dans ce nouveau sacerdoce. C'est l'onction du message en Afrique. Pour influencer les autres. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Oh, soyez bénis. Munabarikiwa. Oh, soyez ouin. Mupakariwe. Oh, soyez élevé. Muinyuliwe. Est-ce que vous me croyez? Eti muna nyamini. Est-ce que vous croyez à la peau de blaireau? Eti muna mini le mangozi ya banyama. Que Dieu te donne tout ce que tu veux. Mungu akupatie yote yenye unahitaji. Tout ce que tu veux. Yote yenye unapenda. Que Dieu te voie. Mungu akone. Particulier. Upate kwa wa kipekee. Partout tu es. Kwa jiote wiko. Soyez particulier. Upate kwa wa kipekee. Levez-vous, nous allons prier. Usibabe ni tutaomba. Oh, gloire au Seigneur. Eh, utukufu kwa Bwana. Mon cœur ne désire point. Oh, toutes celles et cœur s'abat avant de voir encore mon cœur ne désire point. Avant de voir.
ciel. Alléluia. La plus haute fait, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Seigneur Jésus, ma prière maintenant c'est pour les auteurs. Accorde à chaque frère, à chaque sœur, cette dimension d'aller derrière le voile, de pénétrer la Shekinah, qu'il soit loin, comme étant le Saint des Saints. Un tabernacle que toi tu peux utiliser, les hommes comme des femmes, fais de cette parole une réalité dans la vie de chacun. Nom puissant de Jésus, ne laisse personne sortir comme il était venu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ta divinité puisse amener la réalité. Merci Seigneur, parce que tu vas le faire. Lorsqu'ils vont rentrer à la maison, dans l'entourage, dans la famille, au travail, à l'école, partout, que les gens voient Dieu qui est dévoilé. Le Dieu dévoilé soit rendu manifeste dans la vie de tout un chacun. Nous te disons merci Seigneur. Nous t'acclamons, nous t'élevons. Nous te magnifions. Oh Seigneur, accorde cela à tout un chacun. Qu'il passe des choses naturelles, charnelles, aux choses spirituelles. De l'humanité à la divinité. Qu'il devienne un Dieu dévoilé par la vie, par le comportement, par la parole, par la prière. Que ce soit des gens particuliers, partout Seigneur, un peuple saint, un sacerdoce royal. Oh merci Jésus, merci Seigneur, merci pour le message, merci pour le messager, merci pour le ministère, merci pour les calvaires. Change les choses, Père. Change les choses. Dans la vie de chacun, amène la perfection. Perfection partout. Perfection dans leur famille, dans leur maison, dans le travail, dans tout ce qu'ils font. Qui est l'onction véritable qui change, qui transforme les choses. Seigneur, nous le déclarons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Salut à ton frère, embrassez-le. Dis-lui, reçois l'onction. Parce que tu reconnais la peau des blaireaux. Tu te bénisses. Amen. Sois l'onction. Ok, Aupako. Que tu sois particulier. Oukwe waki peke. Nos réunions commencent le 26. Mikusaniko yetu itanza tare ya Eshli na sita le 26. Ça finit le 2. Tamalizika le 2 juillet. Je vous attends au bureau. Mikuna miongoje ya ku ofisi. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Nous disons merci à Dieu pour la parole. Merci à Dieu pour le pasteur. Nous n'allons pas abuser de votre temps, nous sommes arrivés à la fin.
pasteur lui-même a donné le communiqué. Pastori aneshinita tangazo. Nous allons juste compléter. Tuta ikamilisha tu. Le conseil des diacres demande aux frères et sœurs kikundi ya washemasi kinaomba wandugu na wadada qui sont venus pour la première fois benye kuya pa mara ya kwanza d'attendre à la fin du culte. Baongoje mkisha ibada. Ils vont se voir avec les diacres. Baonane na washemasi. Du reste, que le Seigneur bénisse. Mabaki bwana mibariki. Allez dans la paix du Seigneur. Mwendeni katika amani ya Bwana. Que le Seigneur bénisse. Nous chantons le numéro 61 dans Croix Seulement. Je ne chancelle pas.